Bonjour à tous les amis et bienvenue sur le Geek Morning. Je vais démuter mes copains. Salut tout le monde, ça va? Hello, Salut, salut. salut. La femme, j'espère que j'ai pas fait de fail. Non, c'est bon, tout est bon, je crois. Je me suis pas trompé, c'est bon. Tout fonctionne. Yes, pas de fail ce matin. Wouhou! Nice. Alléluia. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 10h01 et bienvenue sur la matinale Geek Morning. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Je vais la présenter rapidement. C'est Kittis. Coucou. Coucou, bah salut tout le monde, hein. À cause de vous, je me réveille tôt, c'est pas juste. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas très gentil, on la force à se lever à 9h du mat et à venir discuter avec nous à 10h. Donc j'espère que vous allez être gentil avec elle et que vous avez plein de questions à lui poser. Donc pour ça, hein, je vous rappelle, vous avez, alors que je n'ai même pas mis le tweet deck, je vais le mettre tout de suite, vous avez le tweet deck. Bravo. Vous avez le tweet deck, c'est Geek Morning Live. C'est ça. Et donc vous allez pouvoir venir poser vos questions en direct et aussi utiliser le chat Twitch, bien entendu. C'est une autre solution, c'est à vous de voir ce que vous préférez. En tout cas, les questions, on y répondra plus ou moins en troisième partie d'émission. On va faire l'émission classique hein, où Kitty, en gros, va interagir avec nous. Mais bien sûr, comme d'habitude, vous avez également avec nous Sandra, bonjour. Salut. Et Vince Steak, Salut, HD. salut. Allez, ça commence. Salut. Le pauvre. Vince Steak HD qui va donc nous faire la petite rubrique, comme Oui. d'habitude. Toujours en premier, bien High-tech, sûr. bien sûr, en premier, normal. Puis, Et donc, du coup, Sandra s'occupera de la partie jeux vidéo et Kittis pourra réagir à toutes ces rubriques, bien entendu. Comme si elle Avec était plaisir. chroniqueuse Geek Morning. Donc là, voilà, c'est un peu la classe. Mais On oui. se paye des chroniqueurs de luxe, quoi. Voilà, Ouais, c'est c'est gentil. un peu la classe, Non, mais on l'a payé quoi. avec du café et des croissants, c'est tout, hein. Bien entendu, Ça, c'est vrai. vous avez pu voir que j'ai perdu au niveau capillaire. Donc je me suis fait tailler déjà par tout le monde. Ça Donc allez-y, change. allez-y. Balancez les blagues maintenant sur les cheveux. Et puis il y a comme ça après on... Voilà. On arrête. Donc vous êtes déjà plus d'une centaine à arriver. Merci à tous. Hein. On vient juste de commencer l'émission pour ceux qui nous rejoignent. Comme vous voyez, il y a Kittis avec nous. Alors du coup, on va faire une petite présentation. Hier on a regardé ensemble, vous vous rappelez, la Nintendo, le Nintendo Direct. Où il y a Oh, eu pas génial. mal de news d'ailleurs concernant la 3DS et les jeux à venir. Notamment la sortie, le prix, les packs, et tout ça, on en parlera dans la partie jeux vidéo avec Sandra. Et aujourd'hui, Exactement. on va commencer tout de suite avec Vince qui va nous parler high-tech, comme d'habitude. Vince, c'est quand tu veux. Vas-y. Ok, alors je vais commencer par une nouvelle news qui vient de sortir. C'est un câble qui vous permet de recharger en fait deux fois plus vite qu'auparavant vos smartphones, que ce soit votre smartphone à iPhone, iPad, Android, donc Samsung par exemple. Donc c'est un câble en fait, juste qui permet en fait de désactiver la synchronisation avec votre ordinateur, ou en fait ça permet en fait de désactiver le système de synchronisation de données. Ce qui permet en fait de recharger deux fois plus vite votre appareil. Donc c'est plutôt sympa. C'est un petit câble en fait qui a été financé sur Indiegogo. Donc vous pouvez toujours l'acheter sur ce site-là. Indiegogo, c'est un site de financement participatif. Donc vous pouvez l'acheter à 27 $. Donc c'est à peu près 24 euros, on va dire. Voilà, donc c'est pas très cher. Enfin, c'est un prix d'un, enfin, c'est le prix d'un câble classique, mais moins cher que celui d'Apple, par exemple. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est une petite news voilà, qui vient de popper. Et puis voilà, ça permet de recharger deux fois plus vite votre smartphone. Donc c'est plutôt sympa. C'est pas compatible avec Windows Phone, par contre. Voilà, aucune compatibilité avec Windows Phone, encore une fois. Mais voilà, c'est compatible Android et iOS, donc c'est sympa. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Alors on va regarder un petit peu. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus, les filles? Vous pensez quoi de ce produit? Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que je sais pas si vous avez un Moi, intérêt ça, quelconque. perso, ça m'intéresse pas trop parce que c'est pas pour être méchante, mais en fait, je le charge la nuit, donc. Ouais. Mais j'avoue Ok. que quand t'es un petit peu pressé, ça doit être quand même plutôt cool de Ouais. pouvoir le charger deux fois plus vite. Ouais, on est Ouais. d'accord. Je suis pareil en fait. Moi aussi, je le charge la nuit, donc c'est compliqué. Et ouais, mais je rejoins Kitis là-dessus. C'est vrai Ok. que ça peut être utile, tu vois, si jamais t'oublies de le recharger la nuit, t'es un petit peu en galère, Ouais, c'est ça. tu te retrouves dans une situation où t'as vraiment besoin de ton téléphone et du coup, ben là, tu dois vite le recharger super rapidement
pouf, tu branches ça, tu charges à fond, c'est fini. Tu charges en combien de temps, tu m'as dit Vince, comme ça? Bah, deux fois plus vite, donc quand tu fais 50% sur ton appareil, normalement, bah, tu fais 100%, enfin voilà, deux fois plus Ok, vite. Voilà. d'accord. Donc Tu divises par deux en fait le temps de charge. admettons un téléphone que tu recharges en 3 heures, là tu charges en 1 heure et demie, ça va. Ouais, c'est quand même C'est assez ça. long hein, finalement. Le gain de temps est pas mal, mais c'est pas non plus OP quoi. Voilà, c'est pas encore ce qu'on pourra retrouver dans plusieurs années, voilà. Tu vois, genre le truc encore plus stylé, ça aurait été tu branches ton truc et en 10 minutes il est chargé full. Mais tu vois, c'est genre un truc que tu peux pas utiliser tous les jours par exemple. Ah Et ouais, non, mais le ouais. souci, c'est que là, on fait ça sur des technologies en fait qui existent déjà en fait, enfin sur des technologies comme iPhone, etc. Donc c'est pour ça qu'on peut pas encore le faire. C'est pas des nouvelles batteries, c'est juste le câble en fait. C'est juste on achète un câble Oui. pour recharger un appareil qui est déjà qui est ou vieux ou Et voilà ça récent en fait. te, il y a une question intéressante, ça te pète pas de la batterie justement? Est-ce que ça te la fatigue de recevoir un peu plus de puissance comme ça Non, 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 parce qu'en fait ça se désactive une, en fait ça débride une fonction en fait, parce qu'en fait normalement quand vous branchez votre câble, il y a une Ouais. fonction synchronisée en fait, et cette fonction-là s'enlève. Vous voyez, alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit bouton, il y a un petit bouton sur le câble, mais en fait ça permet justement de désactiver la synchronisation. Donc D'accord. si vous désactivez la synchronisation, en fait vous rechargez deux fois plus vite. Ok. Voilà, mais ça Mais personne ne le sait en fait. c'est bien parce qu'il y en a beaucoup qui le disent sur le chat quand tu as des téléphones. Par exemple, moi, tu vois, je suis H24 sur Twitter. Hein, moi, c'est pour ça que je le recharge tous les soirs, mon téléphone. C'est vrai que c'est bien parce que si ça recharge 2 fois plus vite, pardon, c'est cool. C'est cool. D'accord. Voilà. Pas de chauffe, rien du tout. Il n'y a rien à noter. Après, le Non. téléphone ne chauffe pas. Non. Ok. Tant mieux. Bon, bah écoutez, à tester hein, ce câble qui peut À éventuellement tester, ouais. servir. Voilà, à tester si Moi, je vais jamais. l'acheter, voilà. Combien il coûte? T'as un prix ou pas? J'ai dit à peu près 24 euros, enfin 27 dollars, donc voilà. Oui, d'accord, ok. Sur Indiegogo, après, il sera peut-être un peu plus cher sur le site officiel. Donc voilà, allez acheter sur Indiegogo, voilà. C'est ce que Ok, j'ai fait. ça marche, pas de problème. Eh bien, on va tout de suite passer à la prochaine news alors, parce que celle-ci n'est pas. N'hésitez pas à nous le dire hein, ce que vous en pensez. Est-ce que C'est vous une petite aimeriez news. avoir ce genre de câble qui vous permet de recharger plus vite votre téléphone ou pas? Et on va passer tout de suite pour l'instant à la prochaine news. Donc, c'est une news sur Facebook. What? Qu'est-ce qui se passe, Facebook Alors, encore? Facebook va lancer bientôt un Facebook at Work. En fait, c'est le réseau social en version professionnelle. Donc, ce sera uniquement pour les professionnels, pour les entreprises, etc. En fait, tout simplement, c'est le réseau Facebook pour les entreprises. Donc, c'est un peu comme, vous savez, quand on a notre réseau avec notre CV, etc. Ouais. Je sais Ça, plus. t'as LinkedIn avec ça. Enfin, Voilà, ouais, c'est ça. t'as. Voilà, LinkedIn, c'est ça Qui. que je veux retrouver. C'est. Voilà, alors, bon, c'est quand même différent parce que c'est Facebook quand même. Mais voilà, vous retrouvez en fait le Facebook version professionnelle. Donc ça permet en fait de faire un compte pro uniquement avec d'autres fonctionnalités sûrement. Là pour l'instant en fait ils ont dévoilé qu'ils vont le sortir bientôt. Voilà, donc ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir en fait relier vos deux comptes, compte perso et compte pro. Donc pour pouvoir faire des interactions et privatiser en fait privatiser par exemple des photos sur votre compte perso, enfin sur votre compte pro pour pas, voilà, pour pas qu'on les voie, etc. Donc voilà, il y a pas mal de fonctionnalités comme ça. Ça a été annoncé, donc ça va arriver. Voilà, on n'en sait pas énormément plus sur ce Bah Facebook ouais, at Work. mais du coup, vu que LinkedIn existe déjà, je sais pas si je dis correctement, hein, surtout je me Ouais, mais fais tromper à chaque fois. je sais pas si ça se dit pas LinkedIn. Ouais, voilà, mais Ouais, je tu crois sais, que c'est LinkedIn. à chaque fois, je me loupe quand je dis Ouais, moi aussi, hein. Non, mais Merde. attends, voilà, tra les trolls, on n'oublie pas, Non, mais c'est bon, c'est hein. bon. C'est bon, on va passer là-dessus. Non, mais juste pour revenir sur ton truc, Vince, t'as déjà Facebook, donc Facebook normal, t'as. Link machin machin pour les professionnels. Est-ce que du coup il y a vraiment une utilité à avoir un Facebook professionnel, sachant que voilà, on sait tous que Facebook professionnellement c'est pas le top. Oui, c'est sûrement pour ça qu'ils veulent refaire un Facebook Pro. J'en sais pas plus au niveau de fonctionnalité, donc je vais pas trop te dire si c'est bon ou pas.
Tout ce que je peux te dire quand même, c'est que les entreprises s'en servent beaucoup pour, enfin, de Facebook, même perso en fait, hein, ils s'en servent beaucoup pour voir le profil des gens. Après, on pourra s'en servir pour faire des pages, etc., pour faire des groupes, dans le cas dans une entreprise, on pourra faire des groupes, etc. Un peu plus professionnel, voilà. Après, voilà, je sais pas trop ce que ça va donner en fait. Je sais pas trop s'il va avoir des nouvelles fonctionnalités de ce qu'on a déjà sur Facebook, normal. Je sais pas trop, voilà. Kitty, tu voulais réagir là-dessus? Ouais, en fait, j'allais dire ça, que les mecs, à chaque entretien d'embauche, ils regardent ton Facebook. Du coup, autant avoir un truc un peu pro C'est vrai, qui est voilà. lié, Je tu suis vois, d'accord. plutôt qu'avoir que tes Je photos suis d'accord perso. avec toi. Mais est-ce C'est que ça vrai va que. pas les empêcher, justement, ok, t'as un truc pro, très bien, ils vont regarder, mais est-ce qu'ils vont pas quand même regarder ton profil classique? Parce que c'est là où Ah il y a les si, photos mais bourrées, quoi. t'auras quand même un truc pro. Ouais. Justement, c'est là en fait que je voulais intervenir, c'est que justement sur le Facebook Pro, ils vont pouvoir ouvrir tout, enfin ouvrir toute leur profil perso, enfin toute leur profil Facebook Pro, et sur le Facebook personnel, ils vont pouvoir privatiser juste pour leurs amis. Enfin, moi ce que j'aurais compris. D'accord, ouais, non, mais c'est pas bête ce que dit Kitty, parce que c'est vrai que voilà, tu vas à l'entretien d'embauche, limite, tu J'ai sais, il déjà faut vécu ça. que tu tries les photos, tu sais, de ton Facebook avant. Attends, mec, je vais à l'entretien d'embauche, il va falloir C'est ça qu'on qu'il y a annule la reste sur Facebook. soirée, qu'on enlève les photos de la soirée d'hier ou quoi. Non, mais c'est vrai que c'est pas bête dans un certain sens, mais moi, je reste sceptique là-dessus, parce que, comme tu dis, on peut toujours lier son Facebook personnel à son Facebook professionnel, donc à la limite. C'est kiff-kiff bourrico, quoi, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc voilà. À voir comment ils vont le Ouais. mettre en place, à voir comment ça va se. Est-ce que ça va réussir à rentrer dans les mœurs un peu? Parce que ouais, aujourd'hui, comme on le dit, on passe beaucoup par LinkedIn via alors le deuxième c'est quoi? Je l'ai vu passer sur le chat, je crois que c'est via quelque chose. Je ne sais Viado. plus. Je sais Via plus c'est quoi. Vidéo. Oui, Viado. peut-être, peut-être. En gros, voilà, il y en a deux gros, plus ou moins. Oui. À voir si Facebook arrive à tirer son épingle du jeu et à faire quelque Viadeo. chose qui est utilisé par les entreprises et par les personnes. On va voir. On verra, on Alors, vous en deuxième tiendra. chose Oui, vas-y. aussi, par exemple, moi qui travaille dans une entreprise internationale, on utilise pas mal Google Plus, enfin Google Plus avec Gmail, etc. Parce qu'il y a aussi une grosse communauté sur Google au niveau des entreprises. Et nous, on s'en sert beaucoup de ça pour faire des chats, pour parler en chat, pour poster des news, etc. entre nous. Et là, justement, Facebook, ça va permettre. Alors là, je sais pas si vous voyez. Il y a le petit logo Acme. Bah justement, à la place de Acme, en fait, vous pouvez mettre le nom de, enfin, le logo de votre entreprise. Donc, ça montre vraiment qu'en fait, justement, on va pouvoir interagir avec les salariés de l'entreprise, par exemple, etc. D'accord, Voilà. Enfin, il y ok. a un petit truc. On a sur Twitter, je me permets juste de réagir en vitesse, on a sur Twitter Cheyenne qui nous dit qu'elle est d'accord avec Kitty, le FB professionnel permet de montrer ce que l'on choisit plutôt que de se faire espionner sur le perso. Donc c'est vrai qu'on est tous d'accord là-dessus. Vraiment, ouais, c'est pas bête au niveau de ça, en fait, tout simplement. Pour ma part, hein. Voilà. Pour Voilà, ma ouais. part. Voilà, moi je pense qu'il va y avoir d'autres choses aussi qui vont arriver comme fonctionnalité. En tout cas, ça va venir en bêta. En bêta. Alors, je sais pas si ça sera une bêta fermée, une bêta ouverte. Bref, en tout cas, ça va arriver. Voilà, j'attends ça avec Ok, impatience. d'accord. Bah, on verra Pour ça, tester. on vous tiendra au courant un petit peu comment ça va fonctionner. Puis au pire, tu le testeras et puis tu nous feras Ouais, c'est ton ça. petit feedback là-dessus, voir si c'est vraiment optimisé, si ça marche bien, si c'est utile, si voilà, si ça vaut vraiment, si c'est vraiment une alternative facile à LinkedIn. Parce que on n'en a pas parlé, je sais pas si tu l'as dit, je me rappelle plus, mais il faut pas oublier que tous les réseaux professionnels dont on a parlé, LinkedIn et Viadeo, c'est payant. Est-ce que le service Facebook sera payant ou pas? Non, ça sera gratuit, je pense. Enfin, bon, après, c'est pas. Après, c'est Enfin. payant que si t'es premium, hein. Oui, mais bon, le fait d'être Oui, premium, ça t'offre pas aussi. une meilleure visibilité? Pas vraiment, en Et fait. je crois que tu peux regarder les C'est profils surtout des pour autres, en les. fait. C'est. En quelque sorte, en fait, sur LinkedIn, t'as trois réseaux, en gros. T'as ton Ouais. premier cercle, où c'est vraiment ceux que t'as ajoutés en tant que collègue, etc. T'as ton deuxième cercle, c'est les connaissances de tes collègues. Et t'as Ouais. le troisième cercle, c'est ceux que tu connais pas. Et en gros, quand t'es premium, t'as accès au troisième cercle. C'est tout. D'accord, ok, d'accord. En fait, au Ok. final, ça t'ouvre un petit peu plus de Ouais, portes. c'est. Merci à notre spécial, donc LinkedIn, Kitty, qui nous rejoint aujourd'hui, qui fait partie donc du coup du réseau. Non, mais c'est vrai que Oui. je. Alors ça, c'est un truc que je n'utilise pas du tout. Ah Si, ouais? si. Non, non, j'utilise pas du tout Ah, moi LinkedIn. non Alors là, plus. pour le coup, c'est. Mais Je tout le sais monde qu'il y avait utilise. je sais qu'il y avait la fonctionnalité De fou. payante, mais je savais pas ce qu'elle débloquait. Donc voilà, merci pour cette petite Non, mais précision. attends, moi j'arrive déjà pas à dire le nom correct, alors l'utiliser.
Non, mais c'est plutôt Mais cool, t'es presque obligé franchement. de l'utiliser en vrai. Bah, en fait, Enfin, t'es je... presque Ouais, obligé c'est trop d'utiliser. bien. Ouais. Ok. À voir. On verra, on vous tiendra au courant Voilà. par la suite pour Bien plus sûr. d'informations. Si vous voulez, Bien je sûr, vous bien sûr. rappelle que vous pouvez toujours avoir accès aux liens si vous voulez un petit complément ou d'autres choses. Le Pour cela, il suivant. faut juste voir avec Vince qui vous filera les liens. Voilà, c'est Et tout ça. de suite, on va passer donc à Panasonic qui À n'arrête pas de sortir des l'acteur. trucs aujourd'hui. Panasonic, ça fait depuis le début de la semaine, je crois que tu fais des Ouais, news à chaque fois qu'il y a ouais. des trucs Mais Panasonic. Panasonic au CES, ils ont été bien, CES. Ils ont eu des prix aussi, enfin bon. Pour la caméra notamment. Bref, alors. Alors attends, juste avant ta news, je voudrais rebondir à ce que dit Dap. C'est vrai que je suis plutôt bien entouré, je dois le dire, je suis pas malheureux. Ah oui, Vince est c'est un vrai. peu dans son coin, mais moi je suis plutôt bien Bah entouré. Donc oui, oui. voilà. Écoute. Et il a dit trois filles mignonnes, hein, c'est-à-dire qu'il te compte dedans, Vince. Ça c'est fait, non mais Vince il se fait J'en ai marre, c'est tailler. rien. Voilà. Vas-y, Bon, vas-y, vas-y, je passe à ma Panasonic. chronique, hein, parce que Allez, vas-y. sinon. Alors, un nouveau lecteur Blu-ray Ultra HD 4K. Donc, c'est un prototype, je le dis bien, parce que pour l'instant, il n'y a pas de Blu-ray 4K qui existe dans le marché, tout simplement. Donc, Panasonic disent pouvoir sortir ça en fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc là, pour l'instant, c'est un prototype, comme je vous l'ai dit. Ça va pouvoir en fait lire des Blu-ray 4K en 60 FPS, Ah, on enfin en au parlait maximum. justement, on parlait qu'il n'y avait pas trop de Blu-ray 4K. Ben, il n'y a pas le Blu-ray Bah 4K. ouais, voilà. Il y Il n'y a a que, en rien en fait, 4K. y a que des Blu-ray qui sont mis, enfin qui, enfin tu peux les transformer en Ultra HD, mais enfin voilà, parce que c'est de la 1080p que tu peux retransmettre en Ultra HD, Ouais. mais bon, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, Est-ce que c'est c'est pas pas trop innovation tôt quoi. de sortir ça là, du coup? Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce qu'il. Ben non, parce que en fait maintenant on a du streaming avec Netflix par exemple qui fait de la 4K, Ouais. et les gens qui n'ont pas une fibre optique par exemple, et ben ils veulent ça parce que maintenant il y a des TV qui sortent en 4K native. Et il faut pouvoir lire des films. Et pour l'instant, il n'y a que du streaming. Bon, même si ça marche pas très très bien en France, mais ça va arriver bien en France en 2015, je m'inquiète pas trop. Par contre, pour les gens qui sont à la campagne, il faudrait mieux avoir un lecteur quand Mais c'est vrai que t'en parlais lundi ou mardi, même. télé 4K ou quoi. Ça, alors déjà qu'elles sont chères, si en plus tu peux pas bah, du coup lire un film parce que du coup t'as pas de Blu-ray 4K, ça sert à quoi au Je suis final d'accord. Mais il y a des télé 4K qui sont pas chères quand même, En hein. fait, le truc, c'est qu'il faut Voilà. vraiment que tu aies tout le stuff 4K, ou sinon ça ne sert Ah strictement oui. à rien. Ouais, limite, tu fais un Et crédit ajouter un autre cosmézon, quoi, en fait. cinéma, il faut. Oui, forcément, de toute manière. De toute manière, les gens Budget. qui prennent des télé 4K, la plupart du temps, c'est des gens qui sont passionnés de Donc, on est bien cinéma, d'accord que ce etc. lecteur Blu-ray ne lit pas les cassettes, hein. Ah non, Oh voilà. mince, je vais mettre un Walt Disney. Non, non, Oh non, c'est terminé les cassettes. Hein. Est-ce qu'on peut On les est revendre les d'accord. cassettes? Est-ce que ça se revend? Est-ce qu'il y a des gens qui achètent des cassettes, sérieux? Sur Bah, eBay, moi, genre les trucs comme ça, des j'ai trucs toujours mes collector. cassettes Walt Disney. Peut-être des J'ai toujours Disney, ouais. mes cassettes, oui, moi je les ai toujours mes VHS. Je sais pas Bah si le oui, moi chat, aussi, je je les sais pas si revends. vous êtes au courant, le chat, si des cassettes, vous savez, les vieilles cassettes là qu'on mettait dans les lecteurs, voir si elles se revendent un petit peu, s'il y a des collectionneurs qui achètent ça, je sais pas. C'est vrai que c'est nostalgique ça, moi j'avais tous mes Disney comme ça en cassette, c'était un peu Moi stylé. je me souviens, je les ouvrais et tu sais, t'as la bande où tu peux remettre en arrière. Je me souviens que j'ai pété une bande moi à force de regarder Hercule en Bah Walt Disney. bravo, bah Donc bravo. j'ai pété la bande, elle s'est coupée en deux. Mais ouais, c'est des. Il Moi me j'ai troll toujours mes sur la cassette. VHS. Les VHS. Non mais la VHS c'est la base, hein, moi je vous le dis. Hein. Ouais. Bref, alors du coup. Bon alors les gens, c'est bien de me troller sur la 4K. Dis 4K. Voilà, c'est ça, c'est 4K. Oui, parce qu'on troll souvent Vince parce qu'il parle souvent de la 4K et à chaque fois il dit 4K, 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 donc voilà. Oui, c'est pour aller vite. Bref. Donc voilà, donc ce Blu-ray qui est encore un prototype, hein, qui était. En fait, pour tout vous expliquer, au CES, ils ont présenté ça et en fait, c'était pas vraiment un lecteur Blu-ray. Il y avait rien dedans, en fait, tout simplement. Donc Ok. c'était plutôt rigolo. Et donc voilà, c'est juste un prototype. Prototype. D'accord. Ok, donc on verra un petit peu Panasonic la suite, hein. On verra comment ce petit bijou va réussir à se À mettre dans vos savoir que foyers. des Combien films 4K. y a pas de prix pour l'instant annoncé, il n'y a Non. rien du tout? À savoir que des films 4K font à peu près entre 100 et 200 gigas. Donc voilà. D'accord, ok. Donc il faut à peu Pas près mal, 3 bah ou 4 cool. Blu-ray. Voilà. Il y a Phil qui nous dit via le Twitter qui nous dit les TV 4K peuvent être utiles pour jouer, bonne config PC requise, à GTA 5 en mars. Bien sûr, bien sûr. Nous ne Y a un petit parlerons peu pas de de troll. GTA Y a un ici, petit peu hein. de troll, hein. Nous ne parlerons pas de GTA. Ouais.
En plus, moi j'ai appris quelque chose ce matin à propos de GTA, mais j'en parlerai peut-être après. Il y a, ouais, Modéré qui nous dit les VHS en 4K. Oui, exactement, voilà, donc toutes vos VHS pourront être lues en 4K. Tu sais qu'il y a une personne qui a testé ça et c'était tout moche. Bah, je me doute bien. Ouais. Ok, c'est next. Est-ce que, attendez, petite question. Est-ce que ça vous intéresse ce genre de Blu-ray, vous, Sandra et Kitty? Vas-y. Pas du tout, non. Non, en fait, juste, j'ai une question. Au Cinoche, c'est en 4K au cinéma? Oui. En fait, alors, en fait, il y a plusieurs normes au cinéma. Il y a du 2K déjà, et maintenant les plus gros films c'est en 4K de toute manière. Voilà. Ok. Mais donc, en gros, tu peux avoir le rendu du cinéma. Français, je sais pas si tous les films français sont en 4K, par exemple. Mais par contre, oui, les films, enfin les gros films sont en 4K et même des fois en 8K pour justement pouvoir modifier toute la vidéo en détail, etc. Oui, ça c'est pas. Ok, voilà. C'est mais sinon, moi, perso, non, je m'en servirai pas. Même d'un écran 4K. Oui, parce que t'as la fibre optique, donc c'est pour ça. Non, écran... oh si, là tu vas t'en servir forcément. Un jour. Ouais, mais pour le moment, voilà. Tu vois, c'est pas d'actualité, quoi, pour moi. Ouais, non, mais c'est trop cher. Fais gaffe au Twitter, Daft. Ouais, Daft, passe au Twitter. C'est trop cher, les trucs 4K pour ma part, perso. Attends, on a parlé ça vite fait. On a parlé de ta TV 4K l'autre coup, Vince, 10 000 balles, mais 10 000 balles, c'est au moins 20 PS4, c'est pas possible. C'est l'exception, c'est une TV incurvée OLED, technologie OLED, ça coûte super cher pour l'instant. Voilà. Moi, perso, la 4K, je connais du monde qui a une télé 4K chez soi, pour jouer c'est bien ou quoi, mais après, quand tu regardes, voilà, tu vois pas beaucoup de films en 4K, disons, comme Tikiti, c'est pas d'actualité, c'est... la technologie est en avance, mais pas par rapport à ce qui se fait en ce moment niveau film, série et tout ce qui s'ensuit. Ok, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de versions. Enfin, il n'y a pas encore de chaîne en 4K. Faut que j'arrive à le supprimer. Du coup, est-ce que Daft est prêt? Non. Non, j'essaie de régler le petit problème là de Twitter. Mais du Blu-ray 4K, du lecteur Blu-ray 4K. Ah oui, sur le chat, n'hésitez pas à interagir, à poser des questions. C'est pas du 4K, le 8K est déjà en route. Alors, le 8K, faut savoir qu'existe qu'en Chine. Alors, il y a des... pour donner une petite anecdote, il y a des télévisions, enfin, il y a des chaînes, il y a des émissions qui sont tournées en 8K en Chine et ils sont retransmis en 8K pour quelques émissions, comme des matchs de foot, par exemple. Et c'est très rigolo. Mais bon, on n'aura jamais ça en France. Hein. Non, mais. La 4K, moi, c'est déjà assez puissant, faut le dire. La 4K pour jouer, je veux bien. Hein. Je sais pas si toi, Kitty, sur Call of, t'aimerais bien avoir de la 4K quand même, je pense. Bah, tu vois, j'ai jamais essayé de jouer en 4K. Pour moi, la 4K, c'était juste pour les films et en prendre plein la vue, quoi. Du coup, j'ai pas essayé, mais tu vois, tu vas essayer, du coup. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Bah, surtout si c'est en 60 FPS, y a pas de soucis, quoi. Les copains là, juste pour l'émission, n'hésitez pas à me dire hein, par rapport au fil Twitter parce que je le vois pas toujours moi. Donc ouais, là, tu vois là c'est bon, là je l'ai réglé. Mais dès qu'il y en a un qui fait un peu trop le fou, vous me le dites, hein, je m'en occupe. Ok, donc du coup voilà. Juste la 4K pour les gens qui savent pas ce que c'est, enfin ce que c'est comme résolution, c'est en fait ça a à peu près 4 fois la résolution Full HD, voilà, que vous avez sur vos écrans, on va dire. En fait, ça pique les yeux, c'est tout. Non, 4K 60 FPS, c'est comme la base. Franchement, c'est super joli. Hein. Franchement, ça déchire. Bon, bref, de toute façon, voilà, donc c'est pour les férus, hein, voilà. Il y a les joueurs, comme voilà, les joueurs de FPS ou les autres, qui s'en foutent un petit peu de la 4K pour le moment, hein, de toute façon, tant que ça arrive à faire tourner en 1080 60 FPS, tu t'en fous un peu après du reste. Oui. Bon, bref. On verra un petit peu par la suite. De toute façon, la technologie 4K oui, qui se démocratise de plus en plus. Mais bon, ils nous en font encore un peu plus, je pense. Attendre encore un peu. Et on verra ensuite. Oui, ce sera moins cher après. Ouais. Ce sera comme vous. Comme la Full HD. Hein, quand... Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça va arriver doucement, ça va démocratiser. Puis on aura de plus en plus de produits et de moins en moins cher. Et bien sûr, après, on passera à la 8K, 16K, 32K. Bien on sûr. On verra ça plus tard. Next. Alors, next. On passe sur alors. What up? Je sais pas du tout comment ça se dit. Ouais, c'est what up. Attends, quelqu'un qui dit quelque chose de sérieux, c'est Playeuse sur le chat, à qui je fais des bisous d'ailleurs parce que je la connais. Elle me demande si nos yeux s'aperçoivent en tout cas de ce qu'il se passe quand on joue en 4K. Enfin, moi perso, je me contente de ce que j'ai pour le moment, c'est pas bête. Est-ce qu'on voit vraiment la différence en 30 FPS, 60 FPS? Voit vraiment la différence En stream, moi pour te dire, parce que là maintenant je suis passé sur des streams Wii U en 60 FPS, la fluidité
est vraiment hallucinante. En fait, t'as l'impression de voir un truc beaucoup plus fluide. Ouais. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire que ça change du tout au tout, hein. Je sais pas si t'as déjà streamé ou fait des lives en 60 FPS, Kitis, mais tu le ressens la fluidité, quoi, tu vois. Bah ouais, enfin déjà rien que dans un jeu, quand il est en 30 FPS ou 60, tu le vois immédiatement. Donc je pense que en regardant jouer, tu le vois aussi. Ah ouais, vraiment. En fait, c'est les images, quoi. Tu vois que ton personnage, quand tu vas faire je sais pas, tu vas te décaler sur le côté, tu vas voir que ça va être tout fluide en 60 FPS et tu vas voir que ça saccade en 30. Ouais. Moi je vous assure que je vous mets au pari, hein. Moi je vous mets au pari de faire un stream en 30 FPS et derrière après je vous mets du 60 FPS, vous allez faire Ah oui, ça a rien à voir. Oui, non, moi j'ai eu l'occasion d'en tester. J'ai l'impression d'être immergé dans un autre truc. Après, au-dessus de 60 FPS, je sais pas, mais en tout cas 30-60, c'est vraiment. Oui, non, ça sert à rien après parce que c'est pour faire des ralentis, c'est pour faire autre chose de toute manière. Au-dessus, après, l'œil le voit un peu, mais c'est pas pareil que la différence entre 30 et 60 FPS. Donc voilà. Après, moi, ce que je voudrais dire, un truc aussi, c'est que les films, souvent, ce que vous voyez au cinéma ou les films normaux, ils sont souvent convertis en 24 ou en 25 FPS. Voilà, parce que c'est souvent comme ça en fait les films. Les normes, ils sont souvent comme ça. Voilà. Après, c'est vrai que dans le cas du Hobbit, par exemple, il tournait en 60 FPS, par exemple, et vous pouvez le voir en 3D. Je sais plus ce qu'ils disent. Ils disent 45 FPS, c'est ça pour le Hobbit. Je m'en souviens plus. Je sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui dépasse les 30 FPS, tu ressens la différence. Oui, et voilà. 60, c'est le maximum, vraiment. Je pense, que tu peux. Après, au-dessus de 60, ça ne sert à rien. Je sais qu'il y a pas mal de films qui sont tournés, tu sais, en 48 ou en 49. Ils ouais, pas au-dessus ça, de 50. Il y a une petite. Voilà, je sais pas pourquoi. Il doit y avoir. Si j'ai assez des techniciens. C'est peut-être là, la norme américaine. C'est peut-être, la norme américaine. S'il y a des techniciens, dites-moi pourquoi les mecs ils balancent des fois 48-49. Je sais pas. Parce qu'en fait. Par exemple, alors si je me souviens bien, le 24 images par seconde, c'est pour la norme américaine, et le 25, c'est pour la norme française. Mais faut me le confirmer, voilà. Je m'en souviens un peu trop. Voilà, voilà. Ah, c'est pareil. Voilà, mal informé, voilà, voilà. Il y a pas et mal c'est de. Pareil pour, c'est 29,90, je me souviens bien, pour américain et 30 ouais, c'est ça. Pour... Je sais pas pourquoi il y a des petites. Un truc comme ça. Oh, c'est voilà. Énorme. C'est énorme. Voilà. En tout cas, il y a pas mal de réponses sur le Twitter. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Il y a Mika qui vive le 60 FPS. Nova qui nous fait quand tu sais que la console. Que sur console, il n'y a pas de toujours 2080p et que sur PC, tu es collé à ton écran. La 4K, c'est juste inutile. Il y a Phil qui nous dit attention, ne confondez pas résolution d'écran et taux de rafraîchissement. La 4K peut être en 24 FPS. Bien sûr, bien sûr, voilà. Bien sûr. J'ai pas dit le contraire. Justement, j'ai parlé de qu'il y avait des films en 4K qui étaient tournés en 24 FPS. Oui, bien sûr. Donc il y a pas mal de continue à interagir avec nous. Il y a le chat aussi. Le chat, il s'affole aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Apparemment, oui, bien sûr. Les gens sont fans. Hein. Et il y a des gens qui sont bien au courant, caméra raide, etc. Ah ben, vous êtes vraiment un technophile. Hein, ça y est, c'est parti. Tu as commencé à avoir tes. Arrêtez, Vince, c'est un orgasme. Arrêtez. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, Nick, Nerok. Effectivement, avec les caméras RAID, c'est 48 FPS, effectivement. Voilà. Vous êtes bien, bien au courant, les gens. C'est... Vous êtes des fous furieux ce matin. Next. Alors, on va parler de la technologie, comme on le disait. What up? Qu'est-ce que c'est que ça, Vince? Raconte-nous tout. Alors, je parlais justement de câbles qui rechargeaient beaucoup plus vite. Maintenant, on va recharger sans fil. À la connexion un peu Wi-Fi, etc. Alors, je ne sais plus si c'est Wi-Fi ou... Ah si, c'est Wi-Fi, pardon. C'est Wi-Fi. Donc, je fais déjà un fail. Donc, en fait, vous allez pouvoir recharger tous vos appareils sans fil avec une connexion Wi-Fi à moins de 5 mètres. Alors, bien sûr, il y a un système en fait, de bornes ou plus de 5 mètres, mais bien sûr, ça marche plus. En fait, pour vous expliquer un peu, tu peux peut-être mettre la vidéo qui est sur l'article. Ouais. Dès que vous arrivez, par exemple, dans un McDo, par exemple, ou dans un restaurant, et ben, pas le son, je l'avais juste en plein écran, et puis okay, je mets pas le son. Vous pourrez recharger directement vos appareils, comme si vous connectez au McDo du Wi-Fi, enfin le Wi-Fi du McDo pour vous connecter à Internet. Voilà, c'est exactement pareil, sauf que là, vous allez avoir Internet et vous allez pouvoir recharger votre téléphone. Donc ça, c'est plutôt sympa. Attends, il y a du chargement sans fil, c'est ça que je suis en train de lire. C'est ça. On arrive à du chargement sans fil, voilà. Hallucinant. Ouais, ouais, attends, alors là, what the fuck. Attendez, on va regarder, là, il est en train de conduire. Ah, voilà, là, donc là, il y a apparemment... Voilà, donc là, c'est le petit hub, enfin, c'est le petit... Ouais. Donc là, t'es en train de me dire qu'avec ça, il recherche son téléphone en Wi-Fi. En Wi-Fi, oui. Le mec, il recharge les... Et en plus, ça va sortir en fin 2015, donc c'est pour ça que je le prends aussi. Ah ouais. Donc est-ce que vous sentez toutes les ondes qui passent dans nos corps à ces moments-là là? Est-ce ouais, que tu te sens percé par les ondes?
Je recharge. Regardez ça, regardez ça. Tous les appareils, que ce soit casque Bluetooth, que ce soit montre connectée comme ce que j'ai là. Bref, tout iPad, smartphone, tout. Mais c'est C'est stylé, n'empêche. impressionnant. Alors, bon, j'attends vraiment en fin 2015 sur quel appareil ça va pouvoir être compatible. Parce que bon, là, ils montent tous les appareils, mais faut se calmer un peu, quoi. Donc là, même les voitures, enfin, bon, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça veut dire que, est-ce que, là, vu que la technologie est mise en place, est-ce qu'à venir, lorsque ce sera bien démocratisé et que ça marchera bien, est-ce que les câbles seront remplacés, du coup, totalement disparition des câbles, puisque au final, on peut Bah oui, ça recharger, peut. sans câbles et de partout. Donc au final, il n'y a même plus de problème de batterie. Ça peut, après, je te cache pas que tu vas pas recharger en direct ton PC fixe, quoi. Non, C'est ce que pas j'ai. ton PC fixe, mais ton téléphone. Ouais, mais du Non, coup, mais tu te oui, je suis charges, d'accord. du coup, en fait, tu pompes la Wi-Fi d'un endroit où tu es, donc par exemple d'un McDo, et en gros, grâce à McDo, tu recharges ton téléphone. Mais est-ce que la Voilà, Wi-Fi, alors bien sûr, du la coup, ils vont pouvoir faire disposition. payer des Wi-Fi et tout, non? Je sais, oui, bah oui, Enfin, normalement, à logiquement, moins que ça oui, leur... parce ça se trouve, ça va pas leur revenir plus cher, donc ils feront peut-être pas payer en ouais, ajoutant voilà. ça. Après, en fait, si j'ai bien compris, t'as un hub, en fait, qui est connecté à, enfin, qui est connecté avec la box internet, ça fait un truc. Enfin, bon, c'est ça. Alors bon, là, c'est vraiment, enfin, moi, pour moi, c'est un truc de, enfin, j'arrive pas à totalement comprendre la technologie, hein, parce que tu passes par du wifi pour recharger une batterie, enfin, Combien de temps de c'est recharge à peu chiant. près par rapport à un câble? Aucune idée, c'est pas précisé. Tu veux même me le dire. Ah Parce ouais, que ça, mais justement, c'est y si a... jamais tu mets ta vie pour recharger ton téléphone, c'est bon quoi, autant mettre ton C'est pas câble. précisé. Truc précisé que j'ai pas dit, c'est que y a que 12 dispositifs en même temps qui peuvent se recharger. Donc 12 appareils qui peuvent se recharger en même temps. Twitter, Daft. Ouais, ça y est, je le bloque. Ouais, c'est bien automatique. Oh là là là, ça y est, je suis au taquet là. Donc voilà, ça a été fait par une start-up américaine. Il y a Hubert qui dit on Voilà. dirait bien que le wifi a déjà atteint les cheveux de Daft. Merci l'ami, j'avais dit que les blagues c'était au début du live, attention. Ah génial, hein, franchement, mais il mérite un applaudissement. GG. Oh là là. Ah, elle Voilà. était bonne, elle était belle celle-là. Pouf, aïe aïe aïe. Après, la question qu'on pourrait se poser aussi, ce que tu disais Daft ou Sandra, je sais plus, au début, c'est au niveau des ondes, au niveau, enfin, ça va être un peu bizarre pour le corps humain, quand même. Enfin, je sais pas, après moi, je me Bah, demande si je vais de passer toute façon, des ondes. ton téléphone, il est quand même régulièrement en Wi-Fi. Donc au final, que ça pompe le Wi-Fi ou l'électricité, au final, je suis sûre que ça va être à peu près la même merde. Concrètement, tu dois te prendre autant de mauvaises ondes, donc... Ouais, mais ça craint hein, quand même. Tu te dis, on vit dans un truc, mais c'est un truc de malade. Il y a des ondes de partout. Enfin, moi, je suis en Wi-Fi partout. Chez moi, j'ai un casque en Wi-Fi. J'ai mon Ça y est, téléphone elle en va devenir Wi-Fi. parano. Ah, mais je t'assure, arrête. En plus, j'ai des migraines ophtalmiques en ce moment. Donc, tu vois, c'est... Ah ouais, c'est chaud, franchement. Non, mais C'est marrant c'est quand quand même même... que ça fonctionne par Wi-Fi, quoi. C'est Ouais, alors assez... là, ça m'a assez étonné. Bah, j'étais pas trop au courant. Je sais qu'il y a des gens qui font oui, tu Alors, sais, Daft, et ça se fait ça depuis fonctionne aussi les par années Bluetooth. 90, limite, quoi. Enfin... Ça fonctionne aussi par Bluetooth aussi, hein. Ouais, voilà. Non, mais c'est ça que je te dis. C'est-à-dire que je t'ai Mais dit, c'est peu. il y a des Enfin, puristes sur le chat qui font oui, mais en fait, tu comprends, ça existe depuis il y a 20 ans. T'es juste un vieillard, tu ne comprends pas la Oui, bien technologie, etc. sûr, bien etc. sûr. Moi, n'étant pas un féru de technologie, oui, mais bon, voilà, je me tiens quand même un minimum au courant. Et ben, j'avais pas du tout d'infos sur le fait que tu puisses recharger des appareils électroniques Moi, j'avais des par infos, Wi-Fi. mais c'était Je sais encore pas pour vraiment vous, les filles, mais l'infotisme, quoi. moi, Non, je suis pas au courant. Pour moi, c'était Bah, impossible. non. Ouais, voilà ce que j'allais. C'est attends, c'est. Je sais que tu peux recharger un téléphone avec quand t'as un truc, Par comme une coque induction, oui. solaire Par ou quoi. induction ou Mais par NFC, enfin des systèmes comme ça, effectivement. ouais, mais alors là, c'est. Alors, Aussi, imaginez et le par choc. jour où on n'a plus d'électricité dans le monde. Hein. Vous êtes dans la merde, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, mais d'ici là, il y aura un truc panneau solaire, machin, Ah bah easy ouais, quoi. merde. Oh merde. Ouais, non mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ah ouais, c'est un truc de psychopathe. Du coup, à voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, Ouais, ça a fait j'ai hâte. réagir le chat. Hein, donc bravo à Vince qui a choisi des très bonnes news aujourd'hui. Je te félicite, Vince. Il nous reste encore une. Et puis on est pas trop mal en termes de temps. Il est 35. Donc aujourd'hui, on va Ouais. parler d'un drone. Ah, alors moi, ça j'aime bien les Ah. drones. Je sais que c'est un Bah moi peu aussi, j'adore useless, les drones. mais J'adore. j'aime bien. Moi j'aime bien, J'adore, je j'adore. trouve J'en ça ai acheté stylé. plein cette année. Parce que y en a plein cette année. Alors là, c'est ExoPlus. Donc c'est un projet qui a été financé, si je me souviens bien. Je m'en souviens plus de quel Déjà, c'est une start-up site. française, déjà. Voilà, donc c'est. Oui, alors tu fais bien de le préciser, c'est une start-up française qui a fait ça. C'était présenté au CES 2015, au salon de CES, hein, vous savez, j'en parle à chaque fois, à Las Vegas. Donc ça, C'est un à peu ce drone l'Eldorado de là. Vince, hein, le CES, ça, c'est... Ouais, alors là, j'avoue que cette semaine, le CES, ça m'a bien sauvé.
Bref, non, c'est vrai que ça a été pas mal le CES cette année. Donc là, ce drone permet de suivre, enfin en fait de suivre la personne. En fait, directement, vous avez votre iPhone et en fait, ça va suivre la géolocalisation de votre iPhone. En quelque sorte, c'est en gros pour faire des selfies. Alors, selfies, Ah, voilà. oh, tu C'est fais en des gros selfies en pour vous drone? suivre. Non, Oh mais tu peux le non! faire, Au voilà, top c'est la ce que je selfie dis. quoi, tu vois! Ah non, c'est génial! Attends, bouge pas! Attends, bouge pas! Attends! Non, mais ça, attends, c'est C'est pas stupide! useless, Daph, regarde les plans que tu peux faire avec des films. Oui, mais je te parle pour moi, Akenar, pour l'utilisateur lambda. Les drones, j'en ai rien à fiche. Hein. À part pour faire des selfies. Mais Ah c'est ouais, trop non, mais bien les ça. drones, enfin. Non, mais attends, pour faire un selfie! Si, attends, si, le jour où Pour je faire un voudrais faire une selfie. selfie avec Kitty, oui, ok, je sortirai mon drone. Enfin voilà, mais sinon, il n'y a pas de. Bien Bien sûr. sûr. Par contre, il va te coûter un peu cher ce drone, hein, donc Yes! fais gaffe si. Il coûte combien d'ailleurs? Oh! Il coûte 1200 dollars! 1100, 1149 Ouais, ça coûte cher dollars le anglais. selfie. Et ça, la batterie, ça s'est Bref. amélioré parce que j'ai eu des Non, drones 15 minutes de Paros. batterie. Voilà, Non, tu 15 charges minutes de pendant batterie. 6 heures et ça, 15 tu tiens minutes! 15 heures. C'est exactement. 15 Non, minutes. pas Ouais, 6 non, heures 15 quand même minutes. pas. Pas 6 heures. À peu près une heure de recharge. Mais non, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème de batterie. Sur ce type d'appareil, de toute manière, il faut prendre au moins 5 batteries pour faire quelque chose. Voilà. Tu peux. Putain, tu te Voilà, trimbales donc il avec faut tes mieux. batteries. Voilà. Non, mais c'est ça. En plus, c'est des batteries quand même. Voilà, ils sont assez costauds quand même. Non mais Mais. ah, Par exemple, alors oui. moi un drone tu vois je sais que ben moi les drones pour par exemple ce qui est livraison tu sais parce que t'as comment par exemple Amazon qui va livrer en Amazon. gros Amazon oui pardon oh t'as mais de toute façon j'ai un souci avec les noms c'est pas possible Amazon c'est mignon Non, mais il faut Amazon savoir que Sandra, on en fait une par jour. Mais limite, je la soupçonne de faire exprès, de préparer Non, un mais mot moi et de me aussi. dire, oh, bon, je sais pas du tout ce Non, que je c'est. vous assure, c'est pas vrai, je ne fais pas de l'auto-troll exprès. Hein. Non, non, juste pour dire Amazon qui livre, qui livre eux avec des drones ou quoi. Moi, je dis pas non parce que ça peut être sympa et puis ça permet d'avoir des outils, ça permet de Ah ouais, c'est créer trop bien quelque ça. chose. Mais là, pour faire des selfies, s'il te plaît, t'as un Non, téléphone. c'est pas que pour faire des selfies, ça peut aussi servir pour des courts-métrages, par exemple, pour suivre la personne, pour faire des cadrages entre 60 Voilà, de toute degrés, façon, Kitty, maintenant, pour faire elle des va aller son. trackings, par exemple, pour les gens qui connaissent un peu au Kitty, cinéma, elle va voilà, aller à faire des Game One, et puis trackings. du coup, Vince, il va la suivre avec Voilà, son par drone, exemple, tu vois. Mais attends, tu peux ça, par deviner. exemple. Attends, il y a Par une bonne exemple, quand elle question va sur le rentrer chat. devant le studio. Vince, bonne question pour Ah le oui. chat. Est-ce qu'il est waterproof le drone? Est-ce qu'il est Alors, parce que t'étais waterproof? pas là Alors, en fait, écoute. Kitty, la dernière fois, mais donc elle nous présente, Écoute. je sais plus c'est qui nous dit, qui nous présente quelque chose, et elle nous dit, ouais, mais est-ce que cet objet est waterproof? Non, D'accord, ça va. ce type d'objet n'est pas Sympa, bravo. waterproof. Pour la bonne et simple raison qu'il y a une motorisation très, très high-tech dedans et qu'il y a un système très électronique, une carte mère, etc. Donc, non, pas possible. En tout cas, il n'est Mais pas il n'y en a étanche. aucun qui est waterproof? Si, moi j'ai vu des vidéos d'un drone Si. qui est passé sous l'eau, hein, donc Non. il l'a Oui, mis dans son non, mais truc, il est celui-là, passé non. sous l'eau, puis après il a redémarré, quoi. Celui-là, je te conseille pas. Hein, voilà, après, Grave, parce tu dépenses que. 1000 boules pour, pour Ah, l'acheter, bah tu le fous oui. sous l'eau, quoi. Ouais. Ouais, bon, après, il faut pas trop être retard non plus. Hein, si tu vois que c'est pas marqué waterproof, tu mets pas dans l'eau, quoi. Waterproof. Voilà. Ça va, je suis ravie. Voilà donc pour ce drone. Donc voilà, oui, c'était une campagne Kickstarter. Voilà. Le Donc Kickstarter est voilà, qui a vachement été utilisé en France, financé. hein. De plus en plus, je trouve que c'est vachement utilisé quand même. Ah, mais justement, tu peux cliquer sur le lien. Bon, je t'ai pas passé du coup, mais c'est pas grave. Écoute, Tant à chaque fois, pis, je vais. tant pis. Ah, Non, si, mais quand ça même, peut être attends. sympa, ça J'ai peut être envie sympa. que les gens voient la vidéo quand même. Ouais, Donc, je le le passe. problème c'est que je vais devoir faire un truc. Tu me le passes Vite ici, fait. ok. Mais c'était Désolé, pas du tout désolé. ça. Non, mais après, ça peut être sympa, mais voilà. Là, pour moi, imagine, moi, quelqu'un me dit, tiens, Ah, parce que vas-y, je sur la t'apprends un vidéo, il y a pas mal drone. de choses. Je vais Donc. dire, si tu veux que je fasse Mais un elle a été drone. financée quand même à 1 306 000. Ah ouais, pas mal. Carrément. Il y a eu du financement participatif? Ouais, c'est ça, Kickstarter, c'est le financement participatif. Et D'accord. Alors, bon, c'est un Français qui parle, bien je crois que sûr. Kitty, ça se fout de ta gueule, mais je suis pas sûr, hein. Si, si, J'ai je sais très désolé. bien. Hein. Non, c'était pas de toi, Vince, en Chut, plus. chut. Non, c'était Ah, pas de toi, c'était Vince, moi. c'était de Sandra. Tout va bien, alors. Voilà. Alors, par exemple, pour le ski, enfin, pour les. Voilà, Ouais, on voit non, mais oui, que. mais je me doute bien qu'il y a des utilisations, voilà, comme ça. Mais est-ce que moi, je suis souvent dans cette situation? Non. Ben, bien Voilà. sûr. Non, je suis. Ah, mais il est énorme! Oh, du futur. Oui. Ouais, j'avoue, il est énorme, Ah, je Oui, pensais il est qu'il était énorme. petit, en Alors, fait. il y a deux versions en fait. Vous pouvez mettre votre GoPro, sinon il y a un moyen de mettre un réflexe dessus aussi. C'est pour ça que je parlais de Il n'y a cinéma. pas un système sur les drones, je crois que quand ils ont pratiquement plus de batterie, ils reviennent automatiquement vers vous? C'est ça. C'est ça, hein, De ça toute c'est. manière, dans ce cas-là, Ah, tu le. de toute manière, il est toujours à côté de toi. Enfin, normalement, il peut revenir à côté de toi, donc c'est pas.
c'est pas un souci, voilà. Donc là, je sais pas, je pense qu'ils parlent de la technologie, etc. Comment ils ont fait ça, la motorisation, comment ils ont pu faire justement pouvoir faire une structure de l'humain en 3D, par exemple. Voilà, c'est ce qu'ils disaient. De justement, comme ça, au moins, ils géolocalisent sans forcément avoir un appareil mobile aussi, si je me souviens bien. Ouais, donc là il se promène, voilà, il voilà. One touch to position. Le droit. Ah voilà, là il est tout petit Voilà. là. Là il est tout Alors là, petit. ça, c'est un bon exemple. Voilà. Donc là, en fait, il reconnaît carrément Ah, c'est assez ton. badass quand même. C'est assez badass, C'est effectivement. assez ouf. C'est quand même assez badass. Voilà. Bon, après. Enfin, ça fait des trucs sympas quand même. Ça fait vraiment des trucs sympas. C'est très stable comme appareil. Ça fait vraiment des clichés sympas. Enfin, ça fait vraiment des vidéos sympas. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez badass. Vraiment Hein. pour le tracking, etc., ça peut être vraiment pas mal en fait. Au lieu Et si t'as un d'utiliser oiseau qui passe par par là, on fait tracking. comment? Ah bah là, Les non mais trucs l'oiseau il passerait improbables. par là. Ouais. Tu Non, mais nulle ça, d'ailleurs, c'est c'est vrai que pas ça mal. capture des. Regarde, ça capture des trucs vraiment Ouais, assez c'est ça. incroyables. Hein, J'avoue que c'est plutôt ouf quand même. Et tu vois, pour la compète, là, on voit des trucs de moto, pour de la compète, etc. Voilà. Ça peut être pas mal. Après, pour tout ce qui est T'imagines aussi en match de live foot, ça? T'imagines, ouais, ça tu t'en mets plusieurs en live et tout, parce bientôt, on que si pourra ça vient, mettre une tu peux mitraillette dessus interconnecter et en c'est live. parti pour la guerre. Bah, ça, c'est du coup, c'est Call of Duty là. Je crois qu'il y avait des drones dans Call of Duty. Il y en a Parce que toujours, si je ouais. me souviens bien, tu peux le connecter en live directement en fait sur stream, etc. Ouais, Donc mais bon, 15 minutes de live. je suis pas. Non, mais t'en mets plusieurs. Tu mets plusieurs drones, après tu changes les placements des drones. Enfin, Oui, tu alors c'est changes. vrai que j'ai 15 000 euros à mettre dans un stream. Non, mais c'est pour les gros événements comme le FIZ, etc. Que je connais bien. Bref, non, non, c'est pour vraiment les gros événements, les gens qui ont pas mal de boulets à dépenser, voilà. Il y a Antares qui dit, est-ce qu'il reconnaît les arbres pour pas les prendre? Oui, mais bien sûr. Vous voyez que ma Ouais, il question peut elle est pas avoir des bête. capteurs d'obstacles. Bah si, quand même, c'est la Oui, base, oui. je pense. Ouais. Bah ouais, Oui, mais c'est la imagine, base. t'es en pleine ville, il y a un fil électrique Elle a qui n'est raison pas qui sur la dit carte ou quoi. Enfin, je me comprends, hein, mais. Mais en fait, c'est non, pas la non, non. carte, c'est les Voilà, yeux. c'est ça. C'est ses yeux. Ouais, Dans le non, jardin. mais sur En la. plus, Tu il sais, par reconnaît les exemple, parties. Enfin, par rapport il à reconnaît c'est une toutes mise à les jour, hein, parties, quand même, effectivement. qui est faite, je pense, dans le drone, quand même, pour repérer les trucs. Bon, par contre, les Et enfants, on va voilà, donc devoir il y a stopper. 2336 personnes qui ont participé à, enfin qui ont financé ce drone, voilà. Et il a eu un petit prix au CES, voilà. Ok, ça marche, pas de problème. Voilà. Bah voilà pour le petit drone. Donc Exo Plus, campagne française Kickstarter qui a très bien Ouais. marché. Et donc du coup, GG à eux, ils nous proposent un très beau drone. Et bah écoutez, moi je n'utilise pas, mais je trouve que c'est assez badass quand même. Alors je rappelle un petit truc, je crois que Alex nous avait annoncé. Donc déjà à Dune, on avait la surprise de Kitty qui vient avec nous Ouais, aujourd'hui. super grosse Donc déjà surprise. merci beaucoup Kitty, hein, qui nous fait Avec le plaisir plaisir, d'être merci de là. m'avoir invité. De rien. Et Ah. deuxième info, on fait gagner quelque chose normalement aujourd'hui aussi. Alors je sais pas du tout comment ça va se passer, Alex, si on va pouvoir voir ça à la pause, mais en tout cas, normalement on fait gagner un amiibo. Ouais. Effectivement. Donc Un ami. un Celui de amiibo, votre choix, hein, celui de celui de votre votre choix. choix. Donc je vais jouer, je vais participer moi aussi, parce que je Sinon on veux n'a pas. pas le droit. Il a Oh bah dit ça on n'a pas le droit. va, Ah, c'est bon, c'est hein. dommage. Voilà. On a des questions un peu sur Twitter. Ouais, mais là on va devoir faire Ah, dommage. la petite pause et Ok. on revient juste après pour la deuxième partie. On essaie de faire voilà correct cette fois-ci, on est timé parce qu'on n'a pas envie d'être en retard comme la dernière fois, T'as bien, oui, hein? t'as bien Comme raison. ça c'est bon. On revient dans 5 minutes Oui. les amis. Merci à tous, Allez. merci tout le monde. On va faire une petite pause de 5 minutes et on revient juste après pour la deuxième partie de l'émission avec la rubrique jeux vidéo de Sandra, le jeu concours de l'Amiibo et ensuite troisième partie d'émission, il y aura Kitis qui répondra à vos questions. Donc n'hésitez pas à commencer déjà à y réfléchir, hein, parce que si jamais je vous dis bon allez c'est parti les questions, vous faites bah, en fait j'ai rien à dire, bah non, mais ça fonctionne pas comme ça, commencez C'est déjà moi à qui réfléchir en réfléchis. amont. C'est pas grave, je Voilà. parlerai toute seule, je ferai un monologue. Parfait, parfait. Allez les amis, on revient dans 5 minutes, ne bougez pas, à tout de suite. À À tout tout de de suite. suite. Et c'est la reprise du Geek Morning, bravo! Ouais, la pause. Re, les amis, vous êtes là ou pas? En fait, je Oui, suis à on est là, t'inquiète 200% et pas. les gens, ils font ouais, ça va, ça y est. Là, tu es en train de Mais fumer ta si, clope, on c'est. est là, on est là. Oh On là est là, on est là, chaud. Enfin bon, non, mais allez. oh. Au taquet, au Bon, taquet, pour Kitty. alors. Alors, deuxième partie d'émission. On va mettre un petit fond musical pour nous accompagner. Ouais. Voilà. Ça me paraît pas trop Pas trop mal fort cette comme fois, hein. ça. Je vais le baisser un N'oublie pas. peu. Voilà, je pense que ça doit être pas mal. Dites-moi sur le chat si c'est bon pour vous, si vous entendez clairement.
Et on est parti pour la rubrique des Sandra qui est en train de s'étouffer. Reste avec nous, Sandra. Reste avec nous. La pauvre. Oh là là, c'était dur. Hein. C'est bon, je suis là. Alors, partie jeu vidéo. Donc du coup, Sandra, c'est quand tu veux, balance bébé. Go. Et si je veux pas? Et si je veux pas? Si tu veux pas, du coup, là, je vais commencer à, je sais pas. Bref, j'ai pas de blague. Vas-y. Non, les amis, on va parler pour le moment. Après, on parlera de Nintendo. Je sais que vous avez envie de parler de Nintendo. On a tous envie. Mais pour le moment, je vais vous parler d'Uncharted 4. Alors, Uncharted 4 qui a été vu et annoncé. Il y a bien un petit moment, il a fait beaucoup de ravages à la PlayStation Experience, notamment avec les 15 minutes de gameplay qu'on a pu voir. Moi perso, j'ai bavé devant. On nous annonce là donc, Naughty Dog nous annonce quelques infos concernant le gameplay. Alors tout simplement, on nous dit que voilà, le jeu sera axé sur le duo, donc avec le frère de Nathan. Enfin Nathan, comment vous le dites, peu importe. Donc il s'appelle Sam, donc ce sera une aventure pas axée que sur le duo, mais on va dire principalement, donc vous aurez des phases assez sympas de duo, et ça permettra d'avoir un univers un petit peu comme à la The Last of Us, qui était vraiment très très sympa. On nous annonce aussi qu'on aura un gameplay différent concernant les modes de déplacement et surtout les phases de combat, puisqu'il faut savoir que dans les Uncharted, à chaque fois on esquivait les combats, on essayait de se cacher, on essayait de monter sur des falaises pour éviter tout combat. Et bien là, plus du tout, on nous annonce que maintenant on va aller au devant du combat, on va carrément y aller, on va bourriner, on va pas hésiter. Et on aura notamment quelques cinématiques avec des phases de combat qui seront actives. Donc moi je trouve ça très très sympa pour Uncharted, ils ont revu totalement le gameplay. On nous annonce en plus concernant les déplacements rapides, hein, parce que je viens de le dire, qu'on allait avoir un harpon dans le jeu. D'accord. Un petit peu comme avec le grappin. Moi je trouve ça sympa. Alors excuse-moi deux secondes Sandra, Kitty, est-ce que tu dors ou comment ça se passe? Je me retiens depuis tout à l'heure. Ah ouais, elle a bugué. Je dors pas. Pourquoi? Ah ouais, parce que tu t'es dans une bonne position là, j'ai l'impression que tu dors là en fait. Mais vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui, c'est bon. Alors on va fournir un lien. Ah c'est bon. Ah, on te voit. Ça y est, tu reviens pour nous. Ah génial. Désolé, j'étais troll Kitty ça sur le chat. Tu viens de te faire troll sur le chat. Par moi, et c'est la vengeance en fait, simplement. Ah génial, voilà. Génial. Ah t'as rebugué de façon cette fois-ci en déplacement là. Non ça va. Ah c'est bon. Ah. Voilà. Ah, bah, écoutez maintenant dans la. Voilà. Voilà. Normalement ça devrait aller. Ça devrait. Ah, tu es en train de. Pour l'instant tu es un rond qui charge. Ah. Ah c'est bon voilà. Ah. Bravo. Ouais. Bon. Attends, il y a tout le temps des soucis quand c'est moi qui parle. C'est pas possible. Bah oui forcément. De toute façon. Pas que tu fasses ta chronique en fait. C'est vrai. Voilà. C'est... Ah, donc on parlait de Uncharted, donc Uncharted 4. 4. Voilà. Gros jeu attendu. Ah, je sais pas ce que t'en penses toi, Kitty, du jeu. Est-ce que tu aimes Uncharted? Est-ce que tu aimes les Uncharted? J'adore. Et bah, j'adore l'univers et du coup le fait que tout change, j'ai peur un peu d'être déçu. Maintenant, c'est quand même des trucs assez positifs, donc ça va dans un bon sens. Donc on va voir, mais bon, il y a Nathan Drake de toute façon, donc au pire, il suffira de le regarder pour avoir un beau jeu. Je te comprends, je suis pareil, j'achète le jeu juste pour ça. Est-ce que toi, Daph, ou... Oh, les arguments de femme. Est-ce que toi, Daph, tu veux acheter ce jeu? Alors moi, je vais l'acheter parce qu'il y a Nathan Drake, et franchement, j'aimerais trop, quoi. Oh, putain. Ah, t'es méchant. Et bah, pareil pour moi, écoutez... Non, est-ce que vous avez vraiment déjà joué à ce jeu? Alors moi, je n'ai quasiment pas joué à Uncharted parce que je ne... Bah, c'est une exclu PlayStation, et que j'ai que un PC et que je n'ai pas de PlayStation. Donc c'est un peu la seule licence qui me fait regretter de ne pas avoir une PlayStation, parce que c'est assez cool. J'ai déjà joué avec chez un pote parce qu'il avait une PlayStation. Voilà, bon, pareil. Voilà, rien de bien fou. Malheureusement, je peux pas y jouer, mais je sais que c'est stylé, que ça se laisse regarder, que c'est entraînant. Ouais. Donc voilà, je souhaite beaucoup de plaisir aux possesseurs de PlayStation d'y jouer. Moi, je ne pourrais pas, donc voilà, jouez-y pour moi. Non, mais alors, c'est un jeu vraiment attendu. Toi, de Vince, est-ce que tu... Ouais, tu joues pas non de plus même. Sur pareil, PlayStation pareil. Pareil que Daft, j'ai joué un tout petit peu chez des potes, mais j'ai pas de PlayStation 4 ou PlayStation 3, voilà. Ouais. Moi, pour la PlayStation Experience, j'ai regardé la PlayStation Experience, vraiment les 15 minutes de gameplay. Je sais pas si toi, Kitty, t'as regardé à ce moment-là. Ah, RIP Kitty, elle a décédé. Ah, voilà, je la salue. Ouais. Alors je pense que la conf quand même a bug un peu, mais bon écoutez.
Non, mais elle vient de me dire qu'elle avait, elle vient de nous dire sur le chat sur Skype qu'elle avait la connexion qui vient des siennes. Oui, c'est pas de nous, c'est pas... hein, c'est. Du coup, bah, est-ce que vous sur le chat vous attendez sur Uncharted 4 ? Parce que alors moi, je sais que je l'attends. Il nous a fait baver sur la PlayStation Experience. Je reviens sur la PlayStation Experience. Hein, vraiment, les 15 minutes de gameplay étaient géniales. On a vu un univers totalement différent. Le Nathan Drake qui a été complètement, on va dire, refait. Il a l'air vraiment, il a été très très bien réalisé. Il a l'air vraiment réaliste. Moi, je l'attends avec impatience. Shoam nous dit qu'il l'attend avec impatience aussi. Ouais. Moi j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est vraiment comme Kitty vient de dire, c'est un monde ouvert. Et le fait qu'on ait du coup un monde ouvert à deux comme The Last of Us, parce qu'il faut savoir que c'est aussi Naughty Dog hein, qui fait le jeu, moi je trouve ça bien. Le fait qu'on va avoir un gameplay dans des phases de combat, je pense que ça va être bien aussi. Ça va changer un petit peu la donne. Et le harpon qui va un petit peu tout changer. Ça va être un petit peu comme le grappin dans Batman. On va pouvoir un petit peu aller un peu partout, très très vite, très très loin. Et je pense que ça peut être assez simple. Il y a Cheyenne qui nous dit Nathan Drake est canon. Et les mecs, d'habitude, vous avez des bonasses à l'écran. Alors, hein, c'est pas faux. C'est ouais, pas voilà. Faux. Et vous plaignez pas les gens. D'habitude, vous avez du Lara Croft. Hein, alors, on peut baver nous aussi. Hein, c'est bon. Ouais. Effectivement. Ah, nous avons Kitis, je Kitis suis un rond revenu. Parmi nous. Ah, en rond, en fait. Là pour l'instant tu es un rond. Est-ce que tu le vis bien d'être un rond qui tourne comme ça? Pas du tout. Moi je prends ça un petit peu mal, tu vois, d'être un rond. je suis un peu vexée, tu vois. Pardon. Excusez-nous. Mais du coup ça doit être un peu chiant pour jouer aux jeux vidéo si t'es un rond hein. Bah ouais. Pas facile tous les j'ai jours. J'ai une sale connexion. Ah mais tu vois, ça fait comme Snake, elle essaye de se mordre en fait. Ça c'est. Ouais, là je pense qu'on a fait le tour des vannes hein, autour du rond. On arrive à la fin. On arrive à la fin des vannes. Ah là là. Continuez à tweeter avec le hashtag Big Morning Live. On pourrait être endetté le matin, donc ça serait stable. Ah, on te dit Kitty's dans une Pokéball, c'est pas mal aussi. Hein, Kitty's dans une Pokéball. Ouais. Du coup, petit topo, voilà. Moi j'attends vraiment ce Uncharted 4. Le fait qu'on ait des infos un petit peu plus importantes sur le gameplay, c'est assez sympa. Moi j'ai hâte. Je sais pas ce que vous sur le chat vous en pensez. Moi j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va te donner. Ouais. Pareil, même si je pourrais pas tester. On verra ça. Donc toi, Kitty, t'as dit que tu l'attendais et que t'allais y jouer. Hein. Ah ouais. Ouais. Ok, ouais, ça marche. Absolument. Absolument. Bah, on verra ça alors du coup. On vous donnera, plus d'informations quand on aura un peu plus, les amis. Et tout de suite, on va passer à Last of Us. Enfin, une news un peu autour de Last of Us. Sandra. En fait, on reste un petit peu dans le thème Uncharted hein, avec The Last of Us. Puis je rappelle que c'est Naughty Dog hein, qui fait aussi le même développement. Donc, en fait, on nous annonce tout simplement que The Last of Us 2, pour le moment, ne peut pas être en développement ou ne peut pas être, entre parenthèses, pensé, puisque Naughty Dog est à fond sur Uncharted 4. Alors, on a Bruce Straley qui cite, voilà, il dit nous on y pense, et si, pourquoi pas, on aimerait bien, pourquoi pas le faire, ce serait sympa. The Last of Us est un jeu qui a très très bien marché, The Last of Us est vraiment attendu. Et puis de l'autre côté, on a Neil Druckmann qui lui est d'accord avec les joueurs qui disent, voilà, The Last of Us est unique, c'est un jeu qui ne devrait pas avoir de suite, pour ceux qui l'ont qui y ont joué. Okay. C'est, ouais, alors pour ceux qui y ont joué, moi je l'ai testé, j'ai pas eu l'occasion de le finir malheureusement. Je sais pas si toi tu l'avais fini le jeu, Kitty's. Si toi tu l'avais fini. Non, je l'ai pas fini. C'est pas trop mon style de jeu, même si c'est vrai que c'est un super bon jeu, mais bon, moi tout ce qui est zombie et tout, au final, c'est pas mon délire. Mais bon, c'est vrai que c'est un super bon jeu, franchement, il n'y a pas à dire. Et je trouve ça un peu dommage du coup qu'il n'y ait pas de suite. Bah en fait il faut savoir que à la base moi le spoil ne me dérange pas hein. Du coup je me suis un petit peu spoilé en regardant la fin. Voilà, à la fin ce qui se passe c'est que ils arrivent à survivre, etc. Ils trouvent l'origine un petit peu de tout et du coup ça s'arrête en fait un peu brusquement. Et donc on a Neil Druckmann qui dit, voilà, avec beaucoup de joueurs qui sont d'accord sur le fait que non, on devrait pas avoir de suite, non, le jeu devrait rester tel qu'il est parce qu'il est magnifique hein. Il a été élu meilleur jeu de l'année hein, en plus en 2014 pardon. Donc il dit, voilà, nous on devrait pas le continuer, mais nous y réfléchissons avec Naughty Dog. On réfléchit à l'idée d'une suite The Last of Us. On pense que on peut travailler dessus. On veut essayer, mais malheureusement Uncharted 4
est trop important pour le moment. On est à fond dessus, ils sont en train de travailler vraiment beaucoup. Naughty Dog, par contre, annonce que si jamais ils font un The Last of Us 2, ils seront obligés de travailler avec Bruce Straley et Neil Druckmann, parce que c'est eux qui ont participé au premier The Last of Us. Et du coup, c'est un petit peu cette actualité. Elle nous dit que voilà, on va peut-être avoir un The Last of Us 2. Surtout qu'il y a beaucoup d'actualités là-dessus en ce moment, notamment quelqu'un qui a annoncé dans son CV qu'il allait avoir, qui travaillait pour un The Last of Us 2. Qu'est-ce voilà, que moi fait encore comme bêtise? Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise? Apparemment, t'as déjà fait une bêtise. Je sais pas. Je sais pas. Ah, t'as spoilé. J'ai spoilé. Non, j'ai pas spoilé. Ah, les gens, vous me laissez jamais finir ce que je veux faire. Vous êtes méchants. Bah si t'as spoilé la fin du jeu quand même. Moi, le jeu, il tu a vois. Été fini. Non mais il a non, j'ai pas spoilé, j'ai juste dit la fin quoi. Non mais attends. À la fin, il sort quoi. Non mais attends, tout le monde l'a fini le jeu. Tout le monde l'a fini le jeu, même si ceux qui l'ont acheté sur remasterisé, tout le monde a terminé le jeu. Spoil. Non mais. Bah, ouais, de toute façon, à chaque fois faut que je la fasse, ça. Par contre, Kitty, si tu veux qu'on en. Ah non, bah d'ailleurs, elle a coupé la conversation, j'allais lui poser une question, mais tant pis. Voilà. J'allais justement lui poser une question sur ça. Elle est revenue. Hein. Non, mais j'étais vexée. Ah, voilà. Okay. Oh. tu m'as spoil, tu vois. Du coup. Ouais, non, mais j'ai pas annoncé, n'empêche, la fin du jeu quand même. Je vous ai juste dit ce qui se passait un petit peu, quoi. Bien sûr. Je suis désolée les gens. Donc toi Kitty, qu'est-ce que t'en penses d'un The Last of Us 2? Parce que tu viens de dire que t'aimerais bien y jouer même si tu l'as pas fini du coup. Bah du coup maintenant elle veut plus jouer parce que c'est la fin quoi. Bah ouais, maintenant je connais la fin donc je vais pas le refaire du coup. J'en ai marre. Je pense que vu la qualité du jeu et comment il a été apprécié, je pense qu'un deuxième Last of Us mais avec une autre histoire peut-être tout simplement. Parce que bah, c'est vrai que là faire une suite c'est un peu chelou. Mais ouais, avec une autre histoire ce serait quand même cool quoi. Oui, alors après, on sait pas, hein. Ils disent Naughty Dog annonce vraiment. Ils disent pas qu'ils vont le faire, ils disent pas qu'ils vont pas le faire. En fait, c'est ça le souci. Non, ils disent que pour le moment, ils sont concentrés sur Uncharted 4 et. Voilà. Alors, ils ont moi, pas je... l'idée de faire un Last of Us, mais pour j'aimerais ce qui est normal. J'aimerais, moi, qu'ils en fassent un second aussi, pourquoi pas. Ça peut être sympa à voir si on aura d'autres personnages, si on aura la suite des personnages. Je vais pas spoiler pour ce qui se passe à la fin, c'est déjà fait, de toute façon. Non, moi je dis pourquoi pas, j'aimerais bien. Après voilà, Naughty Dog reste très très bon dans leur communication et ils nous annoncent vraiment qu'ils vont faire un Uncharted 4 parfait. Non, par contre ce que je trouve stylé par contre pour un éditeur c'est que les mecs déjà se concentrent sur un seul jeu pour le bien le sortir, hein, d'accord. Ils s'en sphare, ils essayent de pas la rater. Deuxièmement, leur jeu Last of Us a été une tuerie. Ils n'ont pas envie de sortir un jeu trop tôt, bâclé, plus ou moins comme d'autres éditeurs pourraient faire, et faire de la merde et ruiner une licence. Ils préfèrent se concentrer sur le positif, faire Uncharted 4 et peut-être plus tard, un jour, pourquoi pas, sortir un Last of Us 2. Mais pour l'instant, c'est pas du tout dans l'optique. Donc, GG Wellplay Naughty Dog hein, qui fait du bon boulot. Ouais, oui, voilà, très bon boulot très bon travail. Sur ces licences, ouais. Vraiment. Ils respectent leur licence et plutôt que de la ruiner, c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est l'un de, des seuls développeurs, tu sais, je pense, hein. c'est l'agréable, tu sais, t'as fait ton jeu, il te reste encore un petit peu le goût en bouche de Last of Us, tu dis, ça a été vraiment un bon cru, un très très bon jeu. Et plutôt que de trop servir une assiette et d'avoir trop mal au ventre, et ben du coup, ils attendent, ils te disent, bon bah tranquillement, tu vas prendre un Dijon d'abord, et ensuite après, peut-être que plus tard, tu pourras manger du Last of Us. Voilà, c'était la rubrique culinaire de Daft. Merci. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis en train de me faire troller un truc de malade. Les gens sur PS3, vous étiez obligés de le terminer. Les gens sur Twitter se détestent. Hein. C'est pas possible. Non mais alors, ce jeu n'est pas sorti que sur PS4, je tiens à préciser. Donc ce n'est pas normal que vous ne l'ayez pas terminé. Hein. Moi, je dis ça. Oh, bah, bien sûr. Et je vous ai pas annoncé la fin entière. Je vous ai pas annoncé la fin entière. Attends, Sandra, 6 mois, je vais le tester. Si moi je veux tester, je n'ai pas encore sur PS3, si je veux acheter une PS3. Le jeu est sorti en 2013. Tout le monde sait ce qui se passe à la fin. À part Kitty. Bien sûr. À part moi aussi. À part Daft aussi. Non, mais bah, non je ne vous ai pas tout raconté, mais je suis désolée, les gens. C'était pas volontaire. Par contre, Kitty, ça force de tourner en rond. Est-ce que tu vas vomir au bout d'un moment ou. Bah, pour le moment, c'est pas prévu. Maintenant, ce serait con que ça se passe quand la cam fonctionne, quoi. Ah ouais, ce serait ce serait bien, beau pic d'audience, quoi. Qui vomit en live, c'est pas mal. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Ah, la cam.
Ça peut être Ouais, sympa. il faut Mais peut-être essayer de relancer, redémarrer, lancer, redémarrer, je sais pas. sinon, on relance Est-ce ouais, que tu peux Skype. relancer directement tout Skype ou à la limite? Ouais, ce que je disais au Tu veux que départ. j'éteigne tout Skype et que je relance? À la limite, peut-être, ouais. C'est peut-être une C'est solution. parti. À tout de suite. À tout de suite, Kitty. À tout de suite. Bon, du Du coup, coup, comme ça, on va finir la rubrique jeux vidéo, puis elle reviendra après, voilà, j'espère, pour voilà, la... exactement. Donc, Et bah, désolé ouais. pour le spoil, les gens, mais c'est comme ça. Voilà. De toute façon, faut que je la fasse. Par contre, Daf, ça va tout dégaler, du coup, mais voilà. Non, mais ça, je peux rien y faire, les amis. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc, va falloir que vous fassiez avec, avec le problème des caméras là qui vont être décalées. Ça marche, ça marche. Alors. Voilà, du coup on va passer au Nintendo Direct les amis, pour ceux qui nous ont suivis sur Ah. on a fait un OG Direct avec toute l'équipe du Geek Morning et Ouais, j'étais là, l'équipe. moi. Ah, je suis en Oui, grand. bah oui, t'étais là puisque tu fais partie de l'équipe. Oh, c'est Oui, tellement beau, oui. Vince, t'es sur deux caméras, c'est tellement Ouais. bien. Ah, c'est trop bien, hein. Regardez. Si je fais ça, je peux te mettre sur deux caméras. Ah, Là, c'est je suis génial, là. ouais. Ah, c'est trop stylé. Bonjour, je m'appelle Kissis, voilà, donc je suis sur Game One. Oh putain. Bref, bon. Ouais, On va parler du OG c'est. direct qu'on a animé donc avec l'équipe de Oh My Trailer, donc avec Shoham et Ouais. Mandark et l'équipe du Geek Morning. Alors, on a Kitty qui revient en plus. Donc pour ceux qui ont suivi le Nintendo Direct, on a attendu, on était impatients, on avait vraiment envie de savoir ce qui allait s'en ressentir. Alors ils ont annoncé un petit peu avant qu'ils allaient parler de la 3DS et de la Wii U, mais principalement de la 3DS. On nous a annoncé la sortie enfin de la New 3DS en Europe, et cette sortie est le 13 février 2015. Je sais que vous êtes tous impatients de la voir. Ah. Hey, excuse-moi de te couper. Disons Oh, stop, hein, je crois que j'ai un truc contre toi, Sandra. Non En tout mais cas, ouais, ma c'est cam. ça. Je sais pas tout. Mais personne, de toute façon, personne veut que Non. je parle. Vous êtes Mais oui, méchant. écoute. Allez, Non, allez, allez. vas-y, continue, Nintendo t'inquiète. 3DS, Mais Majora's avec Voilà, toi. je parlais de la Nintendo 3DS et je vous disais qu'elle sort du coup le 13 février 2015. Elle arrive en Ouais. Europe. Vous êtes tous impatients. On savait en plus qu'il y avait voilà, l'édition Ambassador qui arrivait pour ceux qui avaient eu la chance d'avoir le petit mail pour la précommander. Est-ce que tu l'avais reçu, toi, Kitis, ce mail? Non. En fait, Non, parce qu'elle fait que du FPS pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Non, en fait, je Ah, suis en pas plus. ultra fan des consoles portables et tout. Alors, j'ai peut-être reçu l'invitation, honnêtement, j'ai pas dû faire gaffe. Oui, elle T'as doit se faire pas, ouais, t'as spy. pas fait gaffe. Oh Toi, non. Daft, tu l'as pas reçu, il me semble. Non, mais moi j'en ai rien à Non, elle est fiche de pas la assez 3DS. populaire en Moi plus. je suis console salon, je suis pas console portable. J'ai arrêté avec Ouais. les Game Boy, hein, donc Ah, je c'était me bien la prends Game. pas la tête avec les Nintendo 3DS, etc. Je suis vraiment pas public de ce genre de jeu. Moi j'aime quand on fait la guerre, hein. J'aime pas les petits trucs où. Voilà. Ah, Tu vas franchement, elles bien sont fond, bien les Kitty. consoles Nintendo. Elles Les sont consoles, super, hein, elles ouais, sont elles sont super. très C'est très sympas. vraiment Ah bien. ouais, Mais je bon, vois, là, je c'est. suis pas 3DS, voilà. Ça donne envie, hein. Voilà. Là, on Mais. nous a vraiment envoyé du lourd avec ce Nintendo Direct. En plus, c'est la veille de la Saint-Valentin. Donc, pour ceux qui veulent offrir un cadeau à leur chérie, Le vous chéri de offrez. Chloé, hein. Le chéri de Chloé. Exactement. Le Elle cliché. offre. Ah mais parce que attends, t'étais pas là. Attends, On quand peut elle plus l'a attendre, mais. balancé, elle lui a fait trois messages. Et au fait, c'est bientôt la Saint-Valentin. N'oublie pas la 3DS, hein. Genre bien bien Sur spoil le OG mec. direct quoi, non mais. Le pauvre. Ouais. Je le Du plains, hein, coup, je le plains. nous on a bien rigolé sur ce OG Direct. On a appris que voilà, on allait avoir l'édition collector de Zelda Majora's Mask pour la Nintendo 3DS XL. Bah, du coup, vous l'avez en photo juste là. Donc c'était pas vraiment une nouvelle. Voilà, tout le monde le savait, hein, mais moi je la trouve très très belle. Et on nous a annoncé pour Monster Hunter 4 Ultimate, l'édition aussi collector. Donc non, si tu Ouais, bascules super sur belle celle-là. l'autre info, Daft, tu peux la montrer. Elle est très 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 belle, pardon. J'ai pas C'est l'autre, que hein. je vais Moi j'ai que acheter. celle-là, hein. Comment? J'ai que celle-là, moi. Tu as que celle-là? Ouais, mais moi je la Attends, je trouve très cherche très belle. Je l'autre. sais Je pas cherche si. l'autre. Ah, t'as pas celle-là. Pardon. Je vais te prendre l'autre. Je te l'ai mis dans la conversation, hein. Je te l'ai mis dans la conversation. C'est la journée du troll en fait. Du coup, toi, Kitis, est-ce que t'aimes les Zelda? Est-ce que toi, tu aimes les Zelda? Même si t'es pas console de portable. Ouais, franchement, bah, j'y ai joué en fait par exemple sur GameCube à The Wind Waker. Ouais. J'avais fait les anciens sur Game Boy qui étaient trop durs et que j'ai jamais fini parce que j'étais toute petite. Et du coup, j'aime beaucoup. Ouais. J'avais fait Twilight Princess aussi. Et franchement, j'adore. C'est Ouais. un univers qui est assez fun, assez plaisant pour les enfants, mais pas que au final, puisque les énigmes sont assez réfléchies. Donc moi, c'est plutôt un gros kiff Zelda quand même. Ouais. Est-ce que ça, il faut savoir que Majora's Mask a vraiment été critiqué par tout le monde. Ce n'est pas le préféré des joueurs Zelda qui sont fans de Zelda. Est-ce que toi, tu as aimé celui-ci? Est-ce que tu y as joué?
Bah, c'est le seul que j'ai pas fait en fait. Il avait tellement une mauvaise critique qu'au final, j'ai pas, ça ouais. m'a pas donné envie d'y jouer pour pas me dégoûter de Zelda. Donc j'ai préféré ouais. laisser le mystère sur ce jeu. Il faut savoir qu'il est très, sombre, il est très dark, c'est vraiment, il est très très spécial. Et pour beaucoup de monde, hein, pour beaucoup de monde, c'est vraiment le meilleur Zelda. Et je T'as l'ai plein rejoint. De trucs dessus. Je l'ai rejoint là-dessus, c'est vraiment le meilleur Zelda. Du coup, on l'a sur la 3DS XL. Vraiment, l'édition collector, elle est très très belle. Pour Monster Hunter, on nous montre aussi l'édition collector de la 3DS qui est très 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 belle aussi. L'édition collector de Majora's Mask, on a quelques prix qui sont arrivés un petit peu aux alentours de Ah non, c'est 300 pour les euros. coques. Ouais, moi c'était 300 euros ou 230 euros? Alors, moi j'ai Alors, vu 300 c'est euros. 230 euros. Voilà. Ah Ah, oui, t'as vu 230 toi? Non, en fait, c'est 300 dans les magasins, genre micro. Mais on Ah peut, oui, pour on, l'édition peut demander, spéciale, on peut demander Zelda. à, on peut demander à Shoham parce qu'apparemment il l'a préco, donc Shoham. Ah ouais, Shoham, Ouais. combien ta CB a dû encaisser pour Vas-y, acheter dis-moi cette quoi. version? Sors le cache, sors le cache. Tiens, là donc t'es en train de nous montrer celle de la Monster Hunter 4 Ultimate. Elle est vraiment très très belle. Quand ils Non. l'ont annoncé, non, c'est Non, pas à c'était là, c'est la. Attends. Encore, c'est la. Je vais te la donner, je Là m'en là là, suis. c'est la Xenoblade Chronicle. Mais non, je vais juste faire un truc, c'est que tu veux montrer la 3DS là ou tu veux partir sur Xenoblade Chronicle? Non, je montrais juste en fait l'édition collector de la. On va partir ouais, sur Xenoblade Chronicle. Hein. Je l'ai, je Ok. l'ai, je l'ai, C'est c'est bon, pas grave, non, c'est bon. je peux pas recliquer là parce que le Voilà, problème on c'est que ça décale va. les cams en fait. Tant Voilà. pis. On va partir sur Xenoblade Chronicle qui a été annoncé sur 3DS le 2 avril, très très attendu. Très très attendu pour beaucoup. Alors hier il y a eu des orgasmes pas possibles pendant le live. C'était fou, tout le Tu vas monde mettre a la vidéo, je pense. halluciné. Hein. Ouais, vas-y, mets la vidéo parce Ouais. que vous allez halluciner les gens. Très très bon Oh, jeu. 1080 60 FPS. Allez, bouffez Ah ça oui. là. 230 euros. Hein. Shoham nous a confirmé que c'est 215 euros à peu près. 230, 215, c'est bien ce que ouais. j'avais. Ouais, c'est Moi j'ai ce vu que j'avais dit. Amazonia 200. Je le mets Ouais, avec c'est parce le. que Micromania, Ah il non, oui, spammer. j'ai 230, non, j'ai n'importe quoi, ouais. Je Il le mets avec spammer le pas son. sur Micromania, c'est pour ça. Je le mets avec le son, donc hop. Vas-y, vas-y. Ouais. Admirez-moi ça un petit peu là. Tu peux autoriser aussi le monde de la planète. Ouais. Michinowa. Non, j'avoue, les styles, c'est... Alors. Très très attendu un hein, Xenoblade pardon. Excusez-moi, j'ai du mal. Xenoblade Chronicles vraiment très 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 attendu sur 3DS le 2 avril. Et là tu nous montres sur Wii U, j'imagine. Ouais. Tu vas nous dire ce que t'en penses graphiquement, Kitsis. Bah, je trouve ça pas mal quand même. Je pense que à la Wii, etc., on fait de gros efforts comparé à avant. Et la Wii, on voit du pâté quand même, hein, niveau graphique. Ah ouais. Alors, moi, je le répète, je le répète, je le redis, parce que je l'ai appris quand je suis allée sur Paris pour Nintendo. La console Wii, c'est la nouvelle console de salon HD avec des jeux. C'est vraiment leur phrase typique. Vraiment, ils ont des jeux HD magnifiques. Il y a un catalogue de jeux extraordinaire. Et là, Nintendo nous montre encore qu'on va avoir un tas de jeux. Putain, mais regarde, il est magnifique, le. Pouah, c'est beau, c'est beau. Ouais, c'est un peu scandaleux. Hein. Ça, c'est des images in-game, hein, mesdames et messieurs. Pas de cinématique Ouah. là. Ah oui, c'est une game. Hein. Ok. C'est. Mais pour Et l'utilisation du ça. gamepad, n'est pas encore là, quoi. Alors, pour Ah, ce si, jeu-là, on si. ne sait pas. On On sait sait pas. pas en fait. On sait pas ce qu'ils ont fait pour le gamepad. On nous en a, On on nous sait en a pas, pas ouais. appris Non, non, plus. mais pour la Wii U, en globalité, généralement, le Ah. gamepad est très peu Alors, utilisé. tu as Zombie U, qui est un très 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 bon jeu qui utilise les fonctionnalités du gamepad, et Captain Toad. Captain Toad, qui dans le Ouais, mais ça chat. fait que deux jeux, alors que par exemple sur Mario Kart, t'as un vieux klaxon, sur Bayonetta, tu Non, t'en sers pas. plus maintenant. Mario Kart, t'as d'autres C'est un pro Mario fonctionnalités Kart, maintenant. celui-là. Ils ont changé. Avec ton gamepad, tu peux avoir la minimap, tu peux avoir les items, tu peux avoir plein de choses hein, dessus. Hein. Donc c'est un peu un must-have quand même. Hein. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Ouais, enfin Après, à voir, il faut globalement. savoir que. Il faut savoir que ça va arriver tranquillement. C'est en train de se faire. Ils sont en train de mettre ça en place, Nintendo. Et ça va se faire. Après, je pense que si on utilise. Enfin, s'ils font des jeux où on n'utilise que les fonctionnalités du gamepad, où il n'y a que ça, hein, après on va commencer à dire que certains vont commencer à dire ouais, bah, le gamepad c'est une tablette, alors que pas du tout, c'est une manette. Donc c'est assez compliqué de faire la parité, en fait, pour le Ouais, moment. on verra ça. De toute façon, ça marche bien. Là, j'ai vu, hein, ça a pas l'air de ramer un poil.
Non. Les graphismes. Là, on voyait vraiment très loin. Ce qui m'a beaucoup moi choqué, c'est ben, ce qui m'a émerveillé plutôt, c'est la qualité graphique, donc déjà d'une. Et derrière, en fait, la profondeur de champ qui était assez énorme. Et ben, généralement, plus tu as de profondeur de champ, plus ça demande de ressources. Et donc, eh bien, du coup, parfois, ça rame. Et c'est pour ça qu'il y a du clipping dans les jeux vidéo, hein, c'est que les choses arrivent au fur et à mesure. Plus tu avances, plus les choses apparaissent. Et là, on voit vraiment une Plus profondeur ça de nous champ parle. énorme. Donc, du coup, je me dis, waouh, on se sent vraiment libre. On se sent vraiment libre. Et comme le disait Shoam hier dans l'émission, c'est le gros jeu open world de Nintendo 2015. Et donc le fait d'avoir ce champ libre et d'avoir vraiment une vision globale plus ou moins de la map, tu te sens Voilà. vraiment libéré et tu as vraiment envie de libérer, délivrer quoi un peu. Vraiment, non mais quand on l'a vu hier pour le Nintendo Direct, on a halluciné, on s'est dit c'est pas possible, c'est une cinématique, c'est mais qu'est-ce que c'est? Et non, c'est vraiment in-game, c'est vraiment vraiment il va être très très bien. Moi j'ai hâte, surtout que apparemment tu peux faire un petit peu, on va dire de la coop. On sait pas vraiment, on n'a pas eu vraiment d'informations sur ce jeu, on nous a vendu du rêve, comme Nintendo sait vraiment le faire. Est-ce que tu l'avais regardé toi le direct hier, Kitis? Eh ben pas du tout parce que du coup hier je bossais, j'étais au tournage pour Game One, donc j'ai pas Ah, pu. forcément. Bah voilà, il fallait qu'il diffuse à Game One, fallait le mettre en direct sur Game One. Voilà. Bien Ouais. sûr. Et ben ils peuvent pas encore faire les trucs en direct, ils essayent. Même ils voulaient faire aussi, enfin, Game One voulait faire des diffusions de matchs sportifs, Ouais. et c'est pas encore possible malheureusement. D'accord. Eh oui, ça demande Si trop c'est un truc d'argent. intéressant, en plus c'était une question que je voulais poser. Ah, tu m'as déjà Ouais. spoilé ma question! Ouais, moi aussi, je me pose des questions comme ça. Voilà. Et ben Ah, mais voilà. aujourd'hui c'est la journée du spoil, hein. Rien à Non mais foutre, t'inquiète, les gens, on lâche mais tout quoi. non Là, les infos, mais les infos c'est la journée fusent, hein. voilà. Non. Bref. C'est bon, on va arrêter. C'est bon, arrêtez, je m'en veux. C'est horrible, c'est horrible. Non mais ça. Est-ce que Bon, vous avez pas des customisations Attends, de. Bah, Vince, justement, le juste roi. deux petites secondes Ouais. avant ta question, parce que justement là, si tu poses une question, ce sera peut-être pour la troisième partie. Justement, on va faire la coupure. Est-ce que Sandra, c'est bon pour toi ou pas? C'est bon pour moi, juste, je tiens juste à rappeler Ouais, juste vas-y. en petite vitesse, on nous a annoncé pour le Nintendo aussi direct qu'elle allait avoir plein de nouvelles choses qui allaient arriver. On nous a annoncé la rétrocompatibilité des jeux des maths, en fait, de la Wii à la Wii U. Donc on a notamment Mario Galaxy 2 qui arrive pour 10 €. Donc vous le téléchargez en fait sur votre Wii U. Ça va être du démat malheureusement, mais c'est comme ça. Pour 10 € ça vaut largement le coup. Et on nous annonce aussi qu'il y a un service de VOD qui est arrivé, et pour la 3DS. Donc vous allez pouvoir regarder des animés D'ailleurs, sur une chaîne en fait. Vous allez elle sera pouvoir pas payante voir du tout, hein. D'ailleurs, c'était full gratos non. apparemment. Non, non, c'est full gratos. Vous allez pouvoir regarder par exemple des trucs comme Inazuma Eleven, c'est de la VOD, hein, ce sera pas du direct, etc. Ce sera une chaîne un petit peu particulière. Et on nous a annoncé aussi la troisième vague des Amiibo. Donc on nous a annoncé quelques petites choses aussi sympas sur les Amiibo, qu'ils allaient être compatibles J'en pour ai en Mario, plus. voilà, en plus Kitty, elle en a. Mario Party 10, on allait avoir plein de choses sur les Amiibo. Et puis bah, je te laisse les montrer, regarde, on a Waouh! sûrement. Hey! Elle les a eu Waouh! avant tout le monde, hein, parce que... Rends à moi, Oui, s'il te plaît! il faut À bien des moi! petits On se privilèges donne quand pas. même. Bah ouais, bah Alors, ouais, mais... surtout Link, tu parlais de Donne-les-nous! Zelda, tu vois. Ah, Ouais. Bogos! Ah, Bogos Zelda! Linktoon! Ah, il Franchement, je déchire! l'adore. Il est trop beau. Bah, c'est ceux de Super Smash Bros. Ouais. C'est ça. Alors, ils nous ont annoncé justement pour le Nintendo Direct qu'on allait avoir deux nouvelles, Monsieur! on va dire, deux nouveaux styles d'Amiibo. Bon, On a ceux qui seront spécial Smash Bros. Et ceux à Kitty's! Nintendo principaux. Oui! T'en as 3-4 là, tu veux en lâcher un quoi, c'est bon, Ouais, c'est pas vas-y, grave. non, j'ai Oh, que mes miens! la fourmi C'est n'est pas pas. prêteuse, hein, attention. Je te paye un café. Je te paye un Bon, café. les amis, on va se. Attendez, Non. on va faire la petite pause maintenant, comme ça on va revenir après, on va pouvoir faire le talk show avec. Donc, préparez vos questions si vous avez envie de lui parler. C'est dans 5 minutes, les amis, sur le Geek Morning. Merci à tous d'être aussi nombreux et de nous suivre aujourd'hui, ce matin. Il est 11h21, on se retrouve dans 5 minutes. Donc, préparez vos questions, à tout de suite. Même les règles, les amis, ça y est, vous êtes en caméra. Fantastique. Ouais. Bravo, J'ai une bravo pêche à là. nous. Alors, oui, t'en as pas qu'une d'ailleurs. Ah si, t'en as une Bon petite. bref. Ouais, Alors, je... Bon bref, ça lâche m'énerve. ta bête. Une demi-heure, vous avez à peu près moins d'une demi-heure pour poser vos questions à Kitty's, mais déjà on va commencer par faire une petite présentation de la personne, parce que bah tout le La monde ne te personne. connaît pas, voilà, tout le monde ne te connaît forcément pas, hein, donc on va voilà. Est-ce que tu peux te présenter aux gens qui nous écoutent et voilà, dire un petit peu ce que tu fais, qui es-tu, pourquoi tu es là et pourquoi la vie?
Alors, bah, je m'appelle Titis, je suis chroniqueuse chez Game One en tant que spécialiste FPS. Je fais de la compète et j'ai fait de la compète sur Call of Duty en particulier. J'ai commencé il y a déjà quelques années, j'avais commencé sur PC, je me suis mise sur Xbox. Et puis voilà, en gros, je fais aussi pas mal d'événements où j'invite les gens à venir me défier sur Call of en 1 contre 1. Et voilà, en gros, c'est ça. D'accord, ok. Donc tu peux... Bon, non, j'allais pas dire. Ça fait combien de temps à peu près que t'es chez Game One maintenant? Depuis septembre. D'accord. Donc, Ah, c'est intéressant, hein. J'ai vu que tu participes au Team G1 et au jeu là quand vous êtes dans des box, ça, hein? Ouais, alors c'est la Game One Box. Ouais. Donc en gros, voilà, on est deux dans une boîte et on teste un jeu dont on ne connaît rien. Normalement, en fait, c'est un jeu qu'on nous met et on allume la console et on fait ah bah c'est ça. Donc des fois ça tombe bien, ça, c'est cool, et des fois c'est des jeux tout pourris. Et mais on est obligé quand même de faire l'émission sur un jeu tout pourri. Très bien. Ah, j'en avais vu un, ouais, où c'était tout très original. C'était quoi le jeu était vraiment pourri, nul à chier. Ça dépend, ça ressemblait à quoi? Ah, je me souviens plus du tout, c'était au tout début de la Game One Box. C'était quand même Hyrule Warrior. Ah, je crois que c'est ça. Je crois que c'est et ça. Et en fait, Hyrule Warrior, un beat démo avec Link, ça vend du rêve quand même, dit comme ça. Voilà. Et en fait, pas du tout. Donc en fait, les monstres sont à chier, ils te tapent pas, bref. Moi j'ai bien aimé Hyrule Warrior. Parce que Dart est un fan de Nintendo, ouais. Et en plus attention. Dans le chat on a beaucoup de fans de Nintendo. Fais attention. Mais franchement, Hyrule Warrior, excusez-moi, mais en mode difficile, les monstres ne t'attaquent pas. Il y a quand même un problème. Ouais. Ouais. Là, il y a pas mal de gens qui vont voilà commencer à troll. Donc oui, donc tu es une expert Call of Duty, on peut le dire maintenant. Pas mal de gens ont voilà, c'est soit t'aimes Call of Duty, soit t'aimes pas, mais il y a pas de demi-mesure en voilà. fait. Hein. Soit tu détestes, C'est soit ça. t'adores. Donc forcément, il va y avoir des trolls. Voilà, ils disent bah compétition et Call of Duty, deux mots qui ne vont pas ensemble. Il n'y a pas de souci. Est-ce que voilà. En tout cas, j'en ai fait et je pense que le cash prize et la publicité que la compétition sur Call of a est largement supérieure à d'autres jeux. Donc au final, sur console en tout cas, il n'y a pas énormément de compétition. Donc je trouve que Call of et compétition, ça rime plutôt bien. Ouais. Petite question, moi, c'était par rapport à Call of. Du coup, ce jeu, comment t'y es arrivé? Et voilà, est-ce que tu penses que le jeu sur console est plus compétitif que le jeu sur PC? Pourquoi ton choix sur Absolument. console? Pourquoi, voilà, c'est ça. En Oui, fait, oui. déjà sur Code en particulier, il n'y a aucune compétition sur PC parce qu'ils se sont eux arrêtés à Code 4, donc qui est le meilleur Call of, c'est sûr. Sauf que nous, on a préféré continuer et forcément Activision nous suit et nous encourage sur Xbox, donc nous offre des tournois, des machins, alors que sur PC, du coup, ils ont un peu abandonné. Et Donc il n'y ouais, a pas c'est de ça. compétition sur PC et PlayStation ne s'est jamais plongé dans l'e-sport comparé à Xbox. Ouais. Du coup. La compète c'était que sur Xbox et sur Call of, ça a toujours été comme ça. Donc Ok. voilà. D'accord, ok. Ok, ça répond bien à la question. Et comment t'es tombé dedans? Et comment je suis tombée dedans? Mais c'est-à-dire que voilà, enfin, qu'est-ce qui t'a amené à jouer à Call of? Parce que c'est pas, voilà, tu peux pas dire aujourd'hui, tiens, demain je vais jouer à Call of. Est-ce que t'avais une famille joueuse? Est-ce que t'avais Mon père et mon frère jouaient déjà à des FPS, donc j'ai tout de suite été dans le bain. J'ai commencé par Halo, j'ai fait aussi James Bond Nightfire, donc tout ça sur PC, Unreal Tournament que j'ai kiffé. Et en fait, à ce moment-là, les PC, les LAN PC, bah j'en trouvais pas et j'étais riquiqui, j'étais un bébé cadom. Et comme mon frère faisait de la compétition sur Xbox et sur Call of, je me suis dit je vais aller avec lui. Ouais. Et comme ça, j'irai en LAN moi aussi. Et du coup, je me suis mis à Call of comme ça, en fait. D'accord, ok. C'est tout con. Voilà, non mais si, c'est voilà, c'est important de savoir le parcours parce que du coup, ouais, c'est parce que t'as des frères et ton père qui jouaient, du coup tu t'es intéressé aux jeux vidéo et du coup t'as continué comme ça, à jouer à plusieurs FPS. À la base, t'es vachement quand même une joueuse de FPS au final, puisque tu m'as dit Halo, Unreal, c'est quand même des voilà Bah, des c'est que des FPS. FPS et Unreal qui est un fast FPS. Ouais. Donc ouais, mais j'ai aussi joué beaucoup à WoW et j'ai joué à énormément de jeux parce que j'ai été passionnée par les jeux vidéo en commençant par les FPS, mais j'ai jamais été fermée aux FPS ni à Call of Duty. Donc c'est pour ça que je prends les critiques sur Call of très, enfin à la rigolade, puisque au final chacun a ses goûts. Et Ouais, bien moi par sûr. exemple, il y a des jeux Oui, Nintendo c'est que j'aime normal. pas. Voilà, donc en fait je m'en fous un petit peu. Moi en tout cas, je sais que c'est ce que j'aime et voilà. T'as bien Je pense que raison. c'est le plus important. On a Et une du question très coup, très importante hein, ouais. par contre sur le chat. C'est Atesdan qui nous dit, moi j'ai une question sérieuse. Merde, j'ai loupé la question. Attendez, parce que ça défile. Attendez, attendez.
pousse 2 secondes les mains en l'air, qui nous dit sait-on vraiment, alors, sait-on vraiment avoir la réactivité et la finesse d'une souris clavier? Et je perds le fil à chaque fois. Souris avec un clavier avec un pas de pad console. Pas de console, ouais. Alors, moi, je pense que oui. Et Genius, donc, qui est mon collègue chez Game One, en est la preuve formelle, puisque il défie les joueurs PC à la manette. Et il y arrive très, très bien. Ouais. Donc, c'est la preuve formelle qu'au final, on a la même précision. Et moi, personnellement, en fait, je trouve que, certes, c'est moins intuitif. Par exemple, clavier-souris, tout de suite, voilà, tu vises avec ta souris, c'est intuitif. Seulement, les déplacements, je trouve, sont beaucoup plus précis avec la manette et le joystick. Après, c'est une question de goût. Ah, d'accord. Moi, Donc, toi, j'ai fait les deux. D'accord. Surtout Parce qu'en plus, tu peux que... utiliser le pad sur PC donc, aussi. Donc, Oui, aussi. enfin, Ouais, absolument. Bah, il faut savoir que... Donc, toi, tu penses que c'est mieux... Toi, tu trouves mieux avec la manette... Tu trouves que c'est mieux avec la manette. Bah, je Niveau trouve ça plus réactivité... agréable en fait, parce que Ouais, je suis le d'accord. fait d'avoir la manette, t'as tous tes doigts déjà posés, donc au final t'as pas trop à bouger. Alors que Parce... je sais pas, clavier souris, au final il faut une bonne souris, il faut un bon tapis de souris, même au niveau des frais en fait c'est un peu plus cher. Parce qu'il faut savoir que moi, on m'a dit, voilà, il y a beaucoup sur CSGO, hein, il y a énormément de compètes, etc. Et la plupart des gens Ouais, c'est jouent pas avec pareil, ça bah, c'est bon. souris, PC. Ils ont dit, voilà, quand tu vises, bah, disons que tu as la réactivité de ta souris. Bon, ils ont des très très bonnes souris, il faut savoir, mais tu as la réactivité de ta souris et t'es plus pressé avec une souris Ouais, mais tu apparemment vois, moi je qu'avec trouve un qu'il y a une pad. différence. Alors, je vais répondre vite fait ça à Sandra. Ouais. Le problème de CSGO, c'est que c'est un jeu, alors qui n'est pas du tout comme Call of, parce que si tu Ouais, veux, c'est ça. Call of, je crois que t'as quasiment no recoil sur toutes les armes. En gros, quand tu sprays, il y a pas de recoil. C'est ça. CS, quand tu sprays, t'as intérêt de mettre des coups de souris en bas, t'as intérêt de gérer ton spray. Ouais, C'est d'être pas la même focus. chose, donc du coup, peut-être qu'au niveau de la réaction de la souris, c'est plus agréable. De toute façon, CS est une licence Valve qui est PC, donc il y a. Oui, Tu peux jouer à voilà. CS, tu peux jouer à CS:GO à la manette, hein, mais c'est pas J'y ai possible. joué, j'ai Ah non, c'est essayé et franchement c'est pas. hardcore. Parce Bah que ouais, bon, parce que les t'as le mecs qui jouent recoil. à CS sont quand Ouais, je même suis d'accord. des oufs. Et du coup c'est vrai que du coup on n'a pas la même précision. Mais vu qu'on est à égalité, au final la question ne se pose pas trop puisque les joueurs PC jouent voilà Oui, clavier voilà. souris et les joueurs console avec la manette. Du coup il y a cette guéguerre, mais au final elle est un petit peu inutile puisqu'on se confronte très rarement. Petite question qui revient souvent, hein, et d'ailleurs ça troll pas mal là-dessus. À la manette, il y a une assistance de la visée. Absolument. Et c'est assez horrible. Maintenant, je trouve que sur Ghost, donc le précédent opus de Call of, c'était assez horrible l'aide à la visée. Là, ça va. Donc après, il y en a toujours, malheureusement. On peut l'enlever. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais ouais, il y a l'aide à la visée et c'est un petit peu obligatoire sur console au final. On s'y est habitué. Maintenant, quand elle n'y est pas, on retrouve la difficulté du clavier souris au final. D'accord. Vince, Alors, est-ce que tu as une petite question? Parce qu'il n'a pas encore posé de question, le pauvre. ouais. Alors justement, je voulais savoir au niveau du parcours un peu. Bon, tu parlais voilà ton parcours un peu jeu vidéo. Est-ce que donc du coup tu avais ça enfin à côté de tes études en fait en plus de tes études ou tu as fait Ouais, ça vraiment? absolument. Donc, en gros, j'ai pas le bac. J'ai fait en fait. J'ai été jusqu'à où? Attends. Oula, la question. Attends, c'était quoi Désolé, déjà? est-ce que t'as ton Ouais. brevet? Est-ce que t'as ton brevet? Est-ce que c'est ton brevet Oui. déjà, J'ai mon effectivement? brevet et Ok. j'ai été à l'école jusqu'à 16 ans, en gros. Et Ok. je me suis barrée de l'école et j'ai voulu faire un truc pro une école donc qui demandait le bac et d'avoir 18 ans. J'avais pas ça et en fait j'ai une grande gueule et un sale caractère et du coup j'y étais quand même et j'ai demandé à rentrer dans l'école et au final ils m'ont accepté. J'ai fait 2 années de infographiste et graphiste et du coup j'ai quand même Ok. continué et j'ai eu mes diplômes donc j'ai quand même continué mes études en parallèle et je pense que c'est obligatoire parce Et que donc du voilà. coup, parce que du coup j'ai fait à peu près la même chose que toi, du coup, t'as fait un bac pro communication visuelle à peu près, ça? En gros c'est ça. En gros Ouais? j'ai Ok, fait donc on a fait un. Une prépa graphisme et une année Ok, supplémentaire ouais. infographiste. Il y a Drinks56 qui te pose une question. Qu'est-ce que tu 56 penses? Morbihan, ouais. Qu'est-ce que tu Non, pardon. penses? Qu'est-ce que tu penses de la manette Xbox One comparée à celle de la 360? Pour ma part, je la trouve plus agréable, mais tu en as que pro.
D'accord. Voilà. Est-ce que tu voilà, qu'est-ce que tu penses de la manette par rapport, enfin, il te pose la question par rapport à toi, à ton niveau En tant que One pro, VS 360. Elle est elle est beaucoup mieux. beaucoup mieux. En fait, bon, moi j'adorais la manette de 360, elle m'a jamais dérangée. Beaucoup de gens l'ont trouvée trop grosse. Pour ça, ils ont fait une manette beaucoup plus petite, donc c'est assez agréable. Les joysticks sont plutôt cool. Ils restent creusés, enfin incurvés, avec la petite bande un peu rigide autour. Et du coup, c'est, je la trouve très très agréable. Pour les FPS, elle est vraiment idéale. Comparé à la manette PS4 par exemple, je trouve que pour les FPS c'est vraiment la manette Xbox One qui prime. Et pareil pour les jeux de course. Donc moi je la D'accord. trouve vraiment cool. Ok, donc voilà. Ok. Petit avis pour toi, Drix. Ouais, Voilà, elle est donc. très très bien la manette Xbox. Hein, tout le monde a beau dire ce qu'il veut, c'est une très 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 bonne manette. Parce que comparé à celle de PS4, au niveau des gâchettes, t'étais bien Ouais, je mieux. préfère moi aussi. T'étais mieux et voilà, au niveau des joysticks aussi, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Pour ceux qui sont mauvais et qui disent que la manette Xbox c'est de la merde, et ben je vous dis que vous avez pas de goût, c'est tout. Parce que non, Non, mais non, c'est vrai que même vraiment, au niveau du joystick, il n'y a pas c'est pas photo quoi. possible. Voilà, t'étais vraiment Les bien. triggers sont beaucoup mieux. T'es Alors, vraiment bien, je trouve. je vais te poser une petite colle. Il y a souvent la rivalité et la dualité entre Call of Duty et Battlefield. Est-ce que tu as testé Battlefield et est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu trouves que c'est correct? Ou est-ce que tu aimes justement la rapidité de code par rapport à Battlefield qui sont des maps beaucoup plus grandes et beaucoup plus longs? Qu'est-ce que voilà. Au final, bah oui, j'ai joué à Battlefield Ouais. aussi. Je trouve qu'il est pas si lent que ça. Après, je compare aussi, enfin, il y a Halo, Battlefield et Call of, en niveau de rapidité. Du coup, Battlefield est au milieu, c'est plutôt cool. C'est beaucoup plus stratégique au final, ouais, c'est beaucoup plus stratégique que Call of, puisque Call of, ça va être très rapide, donc ça va plus être du teamwork, donc communiquer à son équipe les infos et tout, que de la stratégie au final. Et du coup, Battlefield, c'est vraiment un jeu cool. Malheureusement, le problème, c'est que EA a pas vraiment fait son boulot au niveau des serveurs. Du coup, ça a un peu coupé court à la compétition. Et là, il y a Battlefield Hardline qui ressort, enfin qui sort. On va voir. C'est une sorte de nouvelle licence au final, puisqu'ils nous ont jamais fait ça. Et on va voir un peu comment ça se passe. Mais je pense qu'il va un peu se faire écraser par Rainbow Six. Attends, mais tu parles de serveur, mais il me semble que sur Call of, il n'y a pas de serveur dédié. C'est des serveurs host. Oui, mais le problème, c'est que nous, ça nous dérange pas du tout. En fait, le truc, c'est que sur Battlefield, tu ne pouvais même pas créer de partie privée. Donc c'était Ah direct, ouais. t'étais en ligne et tu jouais avec n'importe qui. Alors que Ah, sur tu Call peux of, pas t'as jouer avec toujours tes pu potes. créer ta Sauf que partie la privée. différence, quand même, enfin je sais pas, après je suis pas un expert, mais quand même la différence c'est que tu peux te créer ton propre serveur sur Battlefield. Bah, pas au début. Pas au début. C'était ça le souci, c'est que Un EA. serveur En dédié, quoi. fait, le problème, c'est que sur le dernier Battlefield, Microsoft avait financé une sorte de serveur, je ne sais trop quoi, et EA avait le leur. Et en gros, il y a eu une Ok. confrontation entre ces deux serveurs, et vu qu'ils n'ont pas pu s'entendre, eh ben, ça a fait un fouillis de 3 mois au début de Battlefield. Et en 3 mois, malheureusement, c'est là où la compétition elle commence et que ça se développe. Parce que tu Ouais, c'est pouvais un peu même chiant. en plus acheter des serveurs directement sur la Xbox 360. Enfin, je m'en souviens, j'avais Battlefield 4 ou Battlefield 3, je sais plus. Enfin, en tout cas, tu pouvais directement acheter avec tes points Xbox un Absolument. serveur, en fait, directement. C'est ça un peu bizarre aussi, mais bon. Voilà. En tant que grosse joueuse de FPS, du coup, est-ce que tu as testé Bah grosse, Quake? grosse, je te permets pas quand même. Pas au niveau du physique, Allez. bien sûr. En tant que joueur confirmé de FPS, Voilà. Rattrape-toi, rattrape-toi, est-ce que vas-y. tu as testé Quake et est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes bien ça? Moi, je sais que je suis un gros joueur de FPS, enfin pas gros, mais voilà, je suis un bon joueur de Quake et Confirmé. donc j'ai. J'aime beaucoup Quake, franchement, c'est bon délire, donc je ferai pas de la compète dessus parce que bon, les graphismes, au bout d'un moment, ça me pique un peu les yeux. Ah mais c'est pas les graphismes qui comptent, hein, c'est la Mais jouabilité franchement, parfaite. le jeu est vraiment trop cool, ouais, c'est hallucinant, franchement, tu t'éclates. Je sais que La Genius jouabilité. y joue et on s'est fait quelques parties et franchement, c'est assez énorme de s'éclater sur un vieux jeu au final quand même. Et en plus, il est passé free, donc c'est plutôt cool. Il est sur Steam aussi. Moi, je vais avoir deux questions pour toi, Kitty. Deux questions totalement différentes. Premièrement, en tant que joueuse FPS, qu'as-tu pensé de Destiny? Je crois un peu savoir ton avis là-dessus, mais. Alors, le problème, c'est que. Oula, Je oula. connais un peu C'est ton avis que. là-dessus, mais bon. J'ai apprécié sans vraiment apprécier. Au final, Destiny, c'était pas vraiment un FPS de base, c'était un MMO, Un il TPS aussi. promettait.
voilà, un TPS, ils promettaient énormément de trucs. Sauf qu'au final, quand ils nous ont largué le jeu, ils nous ont largué un truc moite-moite, tout pourri. En tout cas, ce que j'ai trouvé est très peu complet au final. Ouais. Quand tu vois par exemple World of Warcraft, qui est un vrai MMORPG, c'est infini ce que tu peux faire dans le jeu, et très rarement tu vas faire des trucs qui se répètent et qui se ressemblent. Alors que là, par exemple, sur Destiny, si tu veux évoluer et progresser au niveau maximal, il va falloir tous les jours te taper les mêmes quêtes. Ouais, en fait, tu fais souvent la même chose. Alors, moi, j'ai perso, hein, je suis un bébé noob, hein, dans ce jeu. Je suis niveau 7, j'arrive même pas à avancer. J'y arrive pas, c'est pas possible ce jeu. Je comprends même pas ce qu'il faut faire en fait dans le jeu. On t'explique en fait, même pas ce c'est. Qu'il faut faire. Bah, après, c'est des systèmes d'instances au final. Donc, tu rentres dans ton donjon, dans ta mission. Et le but, c'est d'éliminer tout le monde, d'arriver au bout. Et t'as tout le temps des petites missions que le spectre te donne. Et c'est ça, en fait, il faut juste suivre ton spectre. Donc, au niveau du gameplay, c'est quand même cool. Le gameplay ressemble un peu à Halo. C'est sûr qu'il y a énormément de choses qui ressemblent à Halo. On voit que c'est Bungie. Et du coup, ça ressemble à Halo, mais c'est pas un Halo, et on n'a pas le petit truc qu'on a dans Halo et qu'on aime tant. Après, c'est normal, c'est pas le même jeu. Mais dans ce cas-là, voilà, soit on fait un truc vraiment différent et on s'y attache, soit on fait un truc qui ressemble à Halo et on fait un Halo-like. Oh. Bah, du coup, je vais te poser quand même une deuxième question. Elle a rien à voir hein, avec ça et ton côté FPS. Le jeu FPS, quoi. Est-ce que t'as Oui. Ouais, alors en fait, je voudrais savoir pourquoi tu as acheté un nœud papillon à ton chat. Ah, très bonne question. Bah, en fait, mon chat, je le torture que comme ça. Je pense que c'est le chat le plus heureux du monde parce que je lui fais des papouilles, je lui donne à manger autant qu'il veut, machin. Mais voilà, il y a un moment, il faut qu'il passe par des petites tortures et le nœud papillon, ça lui va tellement bien, il est trop chou que du coup, j'ai craqué. Super. Non, du coup, j'avais vraiment une vraie, vraie, vraie question. Hein. Là, c'était juste un petit peu du troll. Tu te vois où pour la suite ? Juste, tu te vois où pour la suite ? Eh bien, pour le moment, je sais pas. Déjà, arriver à Game One, c'est un truc assez ouf pour moi. C'est un peu la sauce, ouais. Je pensais pas arriver aussi vite sur Game One. C'était encore un rêve, en fait, quand on m'a proposé. et donc, voilà. Après, j'ai énormément de projets. Donc, je vais voir. Pour le moment, je sais pas encore. Je vais continuer quand même la compète. Je vais continuer tout ce qui est animation lors d'événements. Game One, peut-être de la radio, peut-être. J'ai tout plein de projets. Peut-être Geek Morning, quoi. Donc, du coup. Voilà, c'est ça. Ouais. petite question. T'as testé Halo 5 ? Oui. Et. Je suis assez déçue au final. Ouais. Je suis assez déçue puisque bon, le gameplay est quand même vachement noobisé, on peut le dire. Donc c'est plus rapide, c'est pas le problème accéléré. Des consoles, ça. C'est pas le problème des consoles de casualiser le jeu au possible. Bah, c'est pas le problème des consoles, c'est le problème de vendre surtout. Je pense que il y a un moment, Halo, la Master Chief Collection, je pense qu'elle a pas super bien fonctionné et ils sont obligés de noobiser un peu et de Call of Duty-iser le jeu pour que ça fonctionne. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et du coup, c'est un peu risqué. Sauf que le gros problème sur ce Halo, c'est que tout est accéléré, sauf quand t'as l'arme en main. Donc en fait, c'est-à-dire que t'es en speed et tout, tu dashes, tu cours, tu sautes, etc. Et d'un coup, tu sors ton arme et là, t'as l'impression d'avoir une mitrailleuse, quoi. Mmh. Et c'est assez affreux. Tu vois, moi j'en ai parlé dans des précédentes chroniques. Je disais que Halo, la Master Chief Collection et Xbox, ils sont pas trop foulés. Microsoft, ils sont pas trop foulés. Ils ont vraiment, on va dire, ils sont basés, ils sont, comment dire, ils ont vendu quelque chose qu'ils savaient que les joueurs Xbox et les fans de Halo allaient forcément acheter. Donc tu dis que voilà, elle a pas forcément fonctionné la Master Chief Collection. Et je suis d'accord parce que voilà, ils ont pas essayé de le vendre, ils ont pas essayé de le casualiser. La Master Chief Collection. Par contre, Halo 5, ils l'ont vraiment casualisé, comme dit Daft. Et du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu emmerdant au final, parce qu'elle a été attendue. La Master Chief Collection, elle a le gameplay du Halo 2. Donc, c'est quand même un Halo qui était super dur à jouer, qui est super particulier niveau gameplay. Et si tu veux vendre après un Halo 5, c'est pas logique, ça colle pas en fait. Tu peux pas présenter Halo en disant bah voilà, c'est ça le gameplay d'Halo. Nous, on vous fait un Halo 5 qui a rien à voir. Excuse-moi Sandra, juste deux petites secondes. On va annoncer là parce que Alex vient nous communiquer le vainqueur de l'Amiibo. Parce que oui, il y avait quand même un Amiibo en jeu, hein, on l'a précisé tout à l'heure via le Twitter. Et donc on a son pseudo, ça y est. Donc bravo à toi, RQ Nicodé. Alors voilà, donc si tu es là,
si tu nous entends sur Twitter ou sur le chat, merci à toi d'avoir joué. Tu as gagné un Amiibo de ton choix, donc je te laisse te prendre contact avec, avec le Kong Geek Morning ou Alex. Et du coup, il te fera passer les informations nécessaires. En attendant, petite dernière question et après on arrête parce que c'est déjà 55. Ouais. Je suis vraiment désolé, mais le temps file. Hein, oui, le temps file. Justement, il y a une question là qui vient d'arriver de la part de Drink56. À mes yeux, Halo 3 reste le meilleur de la licence. Qu'en penses-tu ? Non, mais on vient d'en parler en fait. D'accord, donc c'est pas ta question qu'on va poser. Est-ce que vous avez une dernière question pour Kitsis, les amis ? Vince, vas-y. Bah écoutez, moi j'ai pas d'autres questions concernant Kitty. J'espère juste que, enfin moi j'ai beaucoup aimé les émissions Team G1 sur Game One, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà. C'est pas une question, mais en tout cas c'est gentil. Très, très merci beaucoup, ça fait plaisir. En tout cas, on peut remercier Kitis qui a donc pris son temps et qui s'est levé ce matin pour nous et pour venir au Geek Morning. C'était vraiment très gentil. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Alors, il y a petite question. Tiens, voilà. Wycon qui nous dit: Kitis, comme l'a fait remarquer Julien Telouk, tu es très sévère envers certains jeux vidéo. Comme bonne résolution 2015, tu as dit que tu serais peut-être un peu moins cru. Comptes-tu tenir cette résolution? Absolument pas. Non, je suis désolée, mais en fait, voilà, moi j'ai aucun contrat avec les éditeurs et je n'en ferai jamais, pour la simple et bonne raison qu'un jeu, quand c'est de la merde, il faut le dire, parce que il faut pas qu'il marche. C'est bien. Il faut pas que ce jeu marche, sinon ils vont continuer. Donc voilà, moi je suis très crue. J'ai eu des problèmes avec certains éditeurs d'ailleurs qui m'ont envoyé des lettres et en disant que j'étais un peu sévère avec leur jeu, et je leur ai répondu très clairement que le jour où ils feront un bon jeu, je le dirai avec grand plaisir. Ok. Donc, voilà, je préfère que les gens me fassent confiance en disant au moins elles disent ce qu'elles pensent. Oui. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde, hein, c'est sûr, mais au moins, voilà, je dis ce que je pense. Eh ben écoute. Non, mais t'as raison. Et c'est super, comme ça super. Que tout le monde devrait fonctionner dans un monde merveilleux de bisounours. Donc les amis, eh bien merci beaucoup Kitis, hein, je te remercie du fond du cœur d'être passé. Avec plaisir, merci à vous. Merci, tu repasses quand tu veux, hein. Voilà. Tu repasses, voilà, la porte est ouverte. Merci à tout le monde d'avoir participé à cette émission. Merci, vous avez été nombreux à réagir, hein, sur le chat et sur le hashtag Geek Morning Live. Merci Vince et Sandra d'avoir été avec moi tout au long de l'émission. Merci. On remercie encore une fois Kitis. Merci et beaucoup. On vous souhaite à tous une très bonne après-midi sur Gaming. Gros bisous à tout le monde. On se retrouve pour une prochaine émission donc demain matin de 10h à midi avec les copains. Et bien écoute Kitis, je te souhaite bon vent et bonne chance pour cette année 2015. Bon, voilà. Merci beaucoup à vous aussi. Allez, gros. Ouais, gros bisous tout le monde. Je voulais dire que Kitis, on peut la retrouver sur Team G1. Oui, c'est vrai, on n'a pas fait de pub. Ouais, c'est vrai qu'on peut la retrouver, on peut la retrouver quand même sur on peut la retrouver quand même sur Team G1. Et vous avez sur Twitter aussi juste en dessous. En Twitter. Donc, voilà, si vous voulez la suivre pour avoir des infos, voilà, sur ses tweets, n'hésitez pas à le faire. Et donc Team G1 sur Game One. Voilà. Donc on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve à très bientôt les amis. Salut. Ah oui, on la retrouve dimanche. Ah oui, exactement. Lundi dans Oh My Trailer. Voilà. Bref, il y a trop d'infos. C'était pas encore sûr, mais. Ouais, voilà. Ah. Mais parce que Chouam vient de le dire sur le chat. Et oui, en fait, Alex nous l'a confirmé apparemment, donc. Ok, d'accord. Bon, bref, oh, voilà. Donc voilà, vous allez pouvoir la retrouver encore une fois sur Gaming. Donc voilà, merci à tous. Gros bisous tout le monde. À très bientôt. Salut.